Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Journée de Sport avec du retard. Pardon pour le retard. Disons qu'on est tout simplement au stade Bauer et qu'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise à Bauer. Aujourd'hui c'était la coupure de courant, donc forcément sans électricité on ne peut pas retransmettre nos matchs. Et c'est bien dommage, surtout quand le Red mène 1-0 à la 12e minute, ouverture du score à la 6e de Ludovic Sylvestre sur une erreur monumentale d'Aïssi Kédé, le portier de Marseille Consola, qui s'est amusant dehors de sa surface de réparation à faire une mauvaise relance et tenter de dribbler Sylvestre et Abdoulaye Sané. Les deux font une 2 absolument parfait. Entrée de surface, but grand ouvert pour Sylvestre et sa première réalisation de la saison. Déjà beaucoup de cartons dans ce début de rencontre. On en a eu un pour Formos Bendy à la 6e, on en a un à l'instant pour un Marseillais complètement à notre opposé. Il me semble que c'est Abdoul Diawara qui prend le carton. Ouais, c'est bien Abdoul Diawara qui prend le carton. Voilà, c'est un match qui a commencé sur de très grosses bases, mais on ne pouvait pas vous raconter tout ça. Antoine Ballet est présent, vous le voyez, salut Antoine. Ouais, salut. Je te dis quand même bonjour pour nos auditeurs. Hein. Si ça avait été un petit bout de temps qu'on est ensemble à galérer pour avoir du courant. Et coup franc pour le raid. Allez, Teddy Thomas, à la baguette. C'est parti, c'est dans la surface de réparation, mais ça dépasse pas l'entrée de la surface. C'est repoussé par les joueurs de Marseille contre mais toujours en les pieds d'Abdoulaye Sané, pardon, avec Thomas. Ludovic Sylvestre va pouvoir décaler sur la droite. Sekou Keïta qui va entrer pour pas dans la surface de réparation. On a tenté de dribbler. Sekou Keïta qui est entré sur le gauche. La frappe de Sekou Keïta, c'est dans le sapin. Ouais, ou presque là. La frappe de Sekou Keïta, c'est un peu notre cadeau d'arrivée. Cette frappe de Sekou Keïta qui part bien loin du cadre de Aïssi Kédé. Une frappe qui était pourtant intéressante là sur le côté gauche de la surface de réparation. Il repique, il se remet sur sa patte gauche, mais il ne cadre absolument pas sa tentative. Les compos, on vous les donne quand même si on est à la 14e minute du côté du Red. Renault, Mathias Ferreira côté droit de la défense avec Fontaine, capitaine, Mendy dans l'axe, Arunassi sur le côté gauche, milieu à 3 comme d'habitude, Sylvestre en point de base, devant lui Lefebvre et Thomas. Et offensivement, ça va nous donner du Mercier, du Sekou Keïta et Abdoulaye Sané du côté de Marseille Consola. Et bien ce sera Aïssi Kédé dans les buts qui s'est déjà illustré et pas de la bonne manière. Il y aura ensuite Ahmed Souilihi, Salim M. Ramboni, Abdoul Diawara, Rémi Sergio, Ibrahim Sako, Maguette Diong, Guy Roland Nyangbo, le meilleur buteur de Marseille sur le terrain. Ensuite il y aura Gabriel Dubois. Attention, je te coupe quand même Antoine parce qu'il y a une bonne opportunité éventuellement pour un Consola avec Abdou Diawara qui travaille à entrer de la surface de réparation. Il va tenter de venir en retrait au mieux tard avec ses partenaires, même si la présence de Sekou Keïta dans le cœur du jeu était assez intéressante. Il aurait pu éventuellement gratter ce ballon. Ça a été cependant récupéré par un défense de Marseille avec en défense centrale Seim Mraboni pour relancer. Allez, on finit la compo rapidement avec Gabriel Dubois, Marek Amiri, Diakhaté Fofana et donc Siegfried Aïssi Kédé qui est dans les buts, le numéro 30 de Marseille Consola. Merci pour cette compo Antoine. Marseille Consola qui passe complètement pour le moment au travers de son début de rencontre. Peu de mouvement, peu d'intention. On a quand même eu, on va dire, un coup franc, une opportunité pour les Marseillais un tout petit peu avant l'ouverture du score, sans que cela ne donne grand chose donc pour l'équipe entraînée désormais par Eric Schell. Allez, le Red sort sur un ballon qui est bien repris par Mramboigny et on joue dans le cœur du jeu. Rémi Sergio revient un petit peu en arrière, on va essayer de trouver l'ailier de cette équipe de Consola qui est passé un petit peu au physique là sur Mathias Ferreira. Et c'est Rémi Sergio dans le cœur du jeu, va revenir en retrait sur Mramboigny qui va complètement changer de côté sur le côté droit. On est bien en place là pour l'instant du côté du Red Star. On arrive bien à couper une ligne de passe, même si justement il se fait que je dis ça pour qu'on trouve bien Rémi Sergio, lui donne la chance de réparation et la frappe, c'est bien contré et taclé par Mathieu Fontaine. C'est pas terminé, ce ballon qui est un petit peu dans les airs dans la surface de réparation, on n'arrive pas à trouver finalement. Il va y avoir une position de hors-jeu d'un joueur marseillais et c'était Ibrahim Sako. Il faut faire attention quand même à Marseille Consola. Alors ça vaudra ce que ça vaudra, surtout quand on a vu les deux premiers matchs de l'USCL cette saison. Mais Marseille avait fait un très très bon début de match le week-end dernier face à Créteil, bien aidé certes par le pénalty obtenu dès la deuxième minute et converti à la troisième par Abdoul Diawara. Marseille est capable sur des enchaînements dans les petits espaces à vraiment éclater une défense adverse, éclater les lignes. Créteil en a fait les frais en 10 minutes le week-end dernier. Faut se méfier quand même dans cette défense audonienne qui a été déjà prise à revers dans le dos à Cholet, même si le but encaissé lors de la victoire 2-1 en toute fin de match était sur un second ballon et surtout un long ballon. Mais lors de la première journée, Pau, et tu l'avais très bien vu Antoine, puisque tu vas suivre le Red Star toute la saison sur Journée de Sport, et bien était pris dans le dos très souvent, notamment par Mohamed Guilavogui.
Il y a forcément quasiment toute la défense du Red Star est constituée de recrues. Il faut un temps d'adaptation. Et on l'a vu, bon, comme tu l'as dit, contre Pau, où il y a un manque de coordination flagrant entre Charlie Fomen et Maxence Derien, qui n'est pas là ce soir parce qu'il purge son deuxième match de suspension suite à son carton rouge direct reçu lors de cette première journée. Et Charlie Fomen qui n'est pas là parce que il n'est pas là. C'est pas un drame non plus. Et il est remplacé par Mathias Ferreira sur le couloir droit, qui est plutôt axial hein, de formation. C'est là qu'il était rentré en tout cas. Attention, ce plan de surface de réparation bien dégagé justement par Formose Mendy qui est entré dans le 11 et qui a inscrit d'ailleurs le but vainqueur au final du Red Star la semaine dernière. Ouais, l'ouverture du score c'était Formose Mendy week-end dernier. Un mot sur Mathias Ferreira, on expédie toutes ces infos maintenant puisqu'on a pris du retard. Mathias Ferreira, troisième match consécutif hein, pour le jeune arrière droit qui évoluait l'an dernier avec la DSR du Red. Mathias Ferreira qui avait commencé en Coupe de la Ligue face à la GIA, c'était un très très bon match de la part de Mathias Ferreira. Et ensuite à Cholet, troisième titularisation de rang pour le jeune Odonien. Attention quand même, puisque depuis quelques minutes, c'est Marcel Consola qui tient un petit peu plus le ballon et Sekou Keita nous manque complètement en dégagement devant cette surface de réparation. Il est soutenu par Haroun Assi pour un long ballon avant d'avoir Benjamin Le Paysan qui siffle en faveur des Odoniens. Benjamin Le Paysan qui a le carton plutôt facile, on l'a déjà vu sur ce début de rencontre avec deux avertissements très rapides pour Mendy et donc Diawara du côté de Marcel Consola. Et étonnamment, le week-end dernier, sur le match qu'il avait arbitré, un certain Chambly les Herbiers, il avait été extrêmement gentil. C'est un match sur deux, là on est sur le bon match pour avoir les cartons avec Benjamin Le Paysan. Mais c'est un arbitre qui a la réputation d'avoir la gâchette facile et qui en général a justifié et qui est parti sur de bonnes bases là, cet après-midi. On a failli avoir le réflexe de dire ce soir, mais on est bien en plein après-midi ici à Boa. Et c'est le Red Star justement avec le ballon, tentative de 1-2 entre Sekou Keita et Idriss Mirsi. Mirsi qui est apparu dans le 11 lors de la dernière journée contre Cholet et qui a déjà fait montre de ses qualités, notamment sur le deuxième but. Avec cette frappe, pourquoi pas, et c'est mal capté. Et le deuxième ballon, pourquoi pas, Sekou Keita, c'est finalement capté sur sa ligne par Aïssi Kédé qui a encore une fois nous a fait montre d'une incroyable fébrilité sur cette frappe de loin d'Abdoulaye Sané qui était pas en bonne position pour tirer, était coin droit de la surface de réparation, totalement, enfin limite parallèle à la ligne. Il a tenté sa chance et attention avec de l'autre côté. Ouais, c'est Diawara qui va frapper cette capte en deux temps par Sébastien Reynaud. Et par assurance, Siegfried Aïssi Kédé. Il n'est vraiment pas rassurant sur ses prises de balle. On l'a déjà vu pêcher dans le jeu aérien lors des deux premières journées. Alors, contre Créteil, sur les deux premiers matchs, ça pouvait pas être lourd de conséquences. On pouvait même jouer sans gardien, ça changeait pas grand chose. Tant les Cristoliens étaient complètement apathiques en dehors de leur match. Mais là, le début de saison du Red Star est quand même extrêmement intéressant. Et avoir un gardien qui n'est pas rassurant comme celui-ci, ça peut très vite amener quelques soucis. Surtout quand les tireurs de loin du Red Star et Eli Thomas, il y a Grégoire Lefebvre qui a aussi une bonne frappe. Ce qu'on ne voyait absolument pas, l'an dernier d'ailleurs, des frappes à distance, excepté avec Chavalin. Ça peut. Chavalin qui a d'ailleurs marqué avec Reims ce week-end. Frappe en dehors de la surface. Alors moi hier, c'est 3-0, 3 buts hors surface. Mais bon, ça ne vaut pas la reprise de volée de Florian Martin qui a déjà inscrit 3 buts. Les 3 étaient dedans, il se dit bon. Faut pas déconner, on reprend les frappes de loin. Reprise de volée, pied gauche, extérieur du pied gauche d'ailleurs. Lucarne, merci, au revoir. Sympa, hein, Florian Martin. Passé par le National aussi. Et on avait des bons joueurs dans ce championnat. Allez, Siegfried Aïssi Kédé à la relance. 20e minute passée à l'instant. 1-0 donc pour le Red face à Marseille Consola. On vous rappellera un petit peu plus tard cet après-midi les résultats de cette journée qui avait commencé jeudi avec Pau Cholet. Ballon pour Abdoul Diawara du côté de Consola avant d'avoir une frappe de loin qui passe juste à côté. Ah, une frappe de loin qui était plutôt osée de la part d'un milieu de terrain de cette équipe de Marseille Consola. Un joueur qui n'est autre que Maguette Diong, doublé d'ailleurs pour lui lors de la première journée du côté de Dunkerque. L'ancien du CAB n'était pas loin d'égaliser. Ouais, l'ancien du CAB qui avait profité aussi de la fébrilité du gardien d'un carquois. Pareil que ses deux buts sont inscrits sur les seconds ballons. Là il s'est essayé dans un autre registre à la frappe de loin. Elle a effleuré le poteau de Sébastien Reynaud qui avait bien plongé, hein, qui était sur cette balle. Mais autant le Red Star a totalement dominé son début de match, bien aidé par un gardien à nouveau fébrile, autant là pour l'instant c'est Marseille Consola comme à nouveau. Cette nouvelle percée de Maguette Diong, c'est dans le dos de Rémi Sergio. Ça pourra être repris par Mathias Ferreira et le calme de Mathias Ferreira qui vient de s'offrir un grand pont. Ouais, pourtant, il n'était pas soutenu par un Abdoulaye Sané pourtant sur cette action. Et il a fait le boulot tout seul, Mathias Ferreira. Sané maintenant au physique face à Amiri. Ouais, il va décaler toujours ce ballon sur le côté droit. Mathias Ferreira un petit peu juste par contre pour pouvoir se saisir du cuir. Et il va être arrêté par la bonne intervention de Diaranké Fofana.
qui a parfaitement refermé ce couloir alors que Marcel Consola est volé au départ sur un système plutôt à 100 derrière. L'ouverture du score a fait remonter immédiatement Maguette Diongué un petit peu plus haut au milieu de terrain. Sané ballotté, le ballon perdu. Relance pourquoi pas pour Consola dans les pieds d'un joueur qui est aussi extrêmement intéressant sur ce début de rencontre, hein, Ibrahim Sakho, qui prend beaucoup de tirs au milieu, qui essaye d'animer un peu plus le jeu de Marseille, même si là c'était son grande réussite. Et rentrée touche défensive pour Mathias Ferreira sur le couloir droit. Allez, Ferreira, il a la solution, Grégoire Lefebvre pour tenter de l'essayer dans le couloir, mais c'est récupéré par Marek Amiri. Attention à ce ballon qui traîne un petit peu, et Consola qui veut obtenir la touche. Ils sont un peu mal compris là, Formose Mendy, Mathias Ferreira et Abdoulaye Sané. Touche pour Consola, c'est joué par Amiri sur Sakho justement. Il va orienter côté droit et elle est ratée cette passe, elle est un peu trop devant Mramboigny. Et c'est Mirsi qui va pouvoir trouver Abdoulaye Sané dans un super extérieur du pied. On est côté droit. Mirsi qui va tenter de trouver Sakho de la surface de réparation, position de hors-jeu. C'était Sekou Keita. Mais la position de hors-jeu de l'attaquant londonien qui a été signalée. Elle est pas petite. Large. Bien largement en jeu Sekou Keita. Encore quelques réglages pour Sekou Keita au niveau du placement. Le problème c'est que ça fait un petit bout de temps qu'on le dit quand même. C'est moins flagrant en national avec des défenses qui généralement sont quand même assez bas, avec des blocs compacts, mais pas médians. Loin d'être médian même. La Consola essaie de jouer plus haut, alors forcément ses soucis de placement vont ressortir un petit peu plus rapidement. Long ballon de Consola qui arrive sur le côté gauche de la défense odonienne et Formose Mendy s'impose assez facilement, même si le second ballon va pouvoir être gratté encore une fois par les joueurs d'Eric Schell. Ballon sur le côté droit donc avec Guérin Nyongbo pour travailler sur ce côté face à Teddy Thomas. Le duel va être remporté par l'ancien boulonnais, même si la rentrée de touche va arriver encore une fois sur ce côté droit de Consola. Avec une touche qui sera jouée par Gabriel Dubois. Dubois, allez, sans grande solution sur cette touche, qui va quand même retrouver un partenaire dans la surface de réparation. En l'occurrence, Ibrahim Sakho. Poteau de corner sur la droite. Sakho enfermé par Arnaud Dassier. Nouvelle touche pour Consola. Donc, c'était rapidement joué par Dubois sur Rémi Sergio. Dubois encore. Sergio qui progresse. Il a tenté de trouver dans la surface de réparation l'appui de Nyangbo. Il a été finalement pris pour une victoire, mais c'est bien fait. Sans trouver Ibrahim Sakho dans la surface de réparation. Le centre d'Ibrahim Sakho. C'était à la direction de Maguette Diongué, c'est finalement dégagé par la défense odonienne, mais pas pour longtemps. Et Teddy Thomas qui remet ce pied pour à nouveau éloigner le danger. Cette fois-ci, c'est parti en contre avec Idriss Mirsi. Mirsi qui a passé la moitié de terrain de Marseille Consola, il va être obligé de temporiser un petit peu parce qu'il était accompagné seulement de Sekou Keita. Mais il a réussi à plutôt bien s'en sortir avec Grégoire Lefebvre désormais qui passe à moitié de terrain. Ouais, bien joué techniquement de la part de Lefebvre, mais l'appui sur Sekou Keita était compliqué de jeu. Alors forcément Consola va profiter des espaces laissés dans l'axe avec encore une fois Abdoul Diawara tout seul dans l'axe, solution à droite ou à gauche, et après faire s'appuyer un petit peu dans l'axe, tenter l'une deux pourquoi pas avec l'un de ses partenaires. Et c'est un changement de jeu sur le côté gauche à destination d'Ibrahim Sakho qui a été complètement manqué de la part sur cette action. Pour pas dire de bêtises, Maguette Diongué qui se cale un petit peu plus haut dans les lignes. Attention à ce long ballon, il était pas en jeu, c'est Sekou Keita. Et Sikri d'Aïssi Kédé nous fait un plat du pied sécurité complètement dévissé. Ouais, heureusement, il est curieux ce gardien. Heureusement pour Marseille Consola, le synthétique de Boer a accéléré le ballon au moment du rebond parce que sinon c'est Sekou Keita qui aurait pu l'avoir. Et là, Sikri d'Aïssi Kédé était complètement aux fraises. Sekou Keita réussissait à prendre ce ballon. Ah, ça n'a pas été la première fois aujourd'hui d'ailleurs. Sikédé sur son jeu au pied, il est pas extraordinaire, il est pas rassurant. Et là par contre l'alignement de Consola au milieu de terrain ne l'est pas non plus. Possibilité de contre avec Sané dans l'action Teddy Thomas, 40 mètres qui va accélérer le jeu maintenant avec un ballon décalé sur le côté gauche pour Sekou Keita qui va travailler. Oh, le grand pont, c'est plus un grand pont là, c'est le viaduc de Millau sur ce dribble, tellement ce ballon est parti très loin dans la surface de réparation avec ce crochet là. Ah, Sekou Keita qui a tenté d'effacer la défense. Attention à Renault qui est sorti très loin de ses cages et la tête de Sébastien Renault. Jusqu'à Mathieu Fontaine qui va allonger Teddy Thomas. Le contrôle est approximatif de haut jeu et c'est récupéré par Ibrahim Sakho. Rémi Sergio maintenant qui va plutôt calmer le jeu avec sa défense et Fofana. On est reparti. Ibrahim Sakho dans la moitié de terrain odonienne. Le contrôle orienté de Nyango qui peut écarter côté gauche sur Marek Amiri qui est monté très haut. Amiri au niveau de la surface de réparation qui va tenter le 1-2. C'est pas mal fait. C'est finalement récupéré par Mathieu Fontaine qui sort et qui avance. Mathieu Fontaine avec le ballon, le double 1-2, c'est bien fait, c'est avec Abdoulaye Sané. On est dans la moitié de terrain, Marseille contre le côté droit et Sané qui a poussé trop loin son ballon. Elle est approximative à la conduite de Abdoulaye Sané. Ça a permis l'intervention de Fofana. Et ce qui est quand même assez impressionnant, c'est que Sekou Keita dans un espace où il doit plutôt tenir un peu plus le ballon et jouer avec des touches courtes, il nous fait une diagonale pour lui-même. Sekou Keita joue mal le coup et Abdoulaye Sané, au lieu de pousser le ballon, bah, il le garde dans les pieds, forcément il a arrêté.
techniquement on n'est pas encore très juste non plus du côté audonien sur ces phases de contre, alors qu'il y a vraiment la possibilité de jouer rapidement dans les espaces et prendre de vitesse cette défense de Marcel Consola qui n'est pas du tout la plus rapide et la plus mobile du championnat. Ouais, puis on a vu, il a suffi d'un double 1-2 pour effacer toute la ligne du milieu de terrain et il ne restait plus que Fofana derrière. Et Abdoulaye Sané la conduite de balle d'Abdoulaye Sané qui a permis d'intervenir, mais il y a des largesses dans cette défense de Marseille Consola et il y en a aussi dans le milieu du Red Star avec Sergio qui a pu arriver au niveau de la surface de réparation. Sergio est en train de s'appuyer, le contrôle orienté de Niangbo et la bonne intervention de Formose Mendy qui est solide, hein, Formose Mendy en ce début de match. Il est solide et très serein, très très serein Formose Mendy alors qu'il découvre aussi le championnat national. Il a vraiment pris ses aises dans notre troisième échelon français. Aucun souci pour lui, aucun souci non plus pour Mathias Ferreira. Par contre, là, il va peut-être en avoir pour le milieu de terrain de Marseille, Consola, Salim Emraboni. Rappelé par la patrouille, là, Benjamin Le Paysan, étonnamment, ne sort pas le carton jaune alors que la faute tactique était quand même assez énorme. Là, il avait retenu par le bras Seko Keita qui partait seul sur le côté droit alors que tout le bloc de Consola était monté. Par contre, Benjamin Le Paysan fait signe à Mathias Ferreira de jouer rapidement son coup franc. On n'est que à la 28e minute, il fait déjà signe à la montre, monsieur. Oh, on a le temps. On a le temps, on n'est même pas encore arrivé à la demi-heure. Allez, Ferreira pour la touche. Il est à 30 bons mètres du but d'Aïssi Kédé. Il va arriver un petit peu dans l'axe sur Sekou Keita. La remise de Sekou Keita avec en plus ses faux rebonds du synthétique. Il fait signe, faut jouer au sol. Il remet déjà le ballon au sol, Sekou Keita. Ce serait un bon début. Ouais, sachant que la touche de Mathias Ferreira n'était pas spécialement forte, qui a voulu tenter le plat du pied, le ballon qui a fait une cloche. On va dire que c'est le synthétique de Bauer. On va dire ça, allez, la récupération Grégoire Lefebvre, c'est bien fait là, il a réussi à passer Grégoire Lefebvre, c'est très bien là ce qu'il fait, il s'appuie sur Sekou Keita. Il a Abdoulaye Sané à ses côtés, préfère jouer tout seul et tenter la technique. Ouais. Ça marche avec Grégoire Lefebvre, ça marche moins avec Sekou Keita, même si là il devrait obtenir la touche, oui. Bien vu de la part de l'assistant de Monsieur Le Paysan. C'est dommage qu'on n'ait pas l'image du match non plus. Parce que là c'était beau à voir. C'est le passement de jambe, je marche sur le ballon. Et Ferreira prend la touche. Mathias Ferreira. Parce qu'il a son frère aussi, hein, Kevin, qui joue au Red Star. Une entrée de touche qui aurait pu arriver sur Teddy Thomas. Le contrôle est manqué. Le contre pour Guirlan Yangbo tout seul face à la surface de réparation. Et Guirlan Yangbo va frapper à côté Renault en ayant un doute sur ce ballon. Contré ou non, il va aller s'en saisir sur le coin gauche de sa surface de but. Et la relance rapide sur le côté gauche pour Arounassi. Arounassi va tenter de longer vers Sekou Keita. C'est pas trop ce qu'il a voulu tenter Arounassi parce qu'il avait Teddy Thomas à ses côtés qui a commencé à revenir vers lui et Keita qui n'était pas parti et voulait mettre en profondeur, mais là le ballon est pour lui de Vic Sylvestre. Rentrée de surface de réparation côté gauche. Sylvestre va monter à ses côtés d'Idriss Mirsi qui remet à Ludovic Sylvestre. C'est bien fait, Mirsi encore. On est sur la ligne de but. Mirsi qui va centrer pour redresser cette balle. Sekou Keita qui n'avait pas plongé au premier poteau. Ça revient sur Teddy Thomas. La reprise de Thomas et c'est à côté du but d'Aïssi Kédé. Mais encore une fois, on voit tout l'apport d'Idriss Mirsi qui avait cruellement manqué de la première journée. Et on voit aussi que Teddy Thomas, progressivement, prend aussi ses aises dans le jeu du Red Star, va proposer des seconds ballons beaucoup plus intéressants. Il va pas forcément chercher à combiner, à rejouer dans le couloir, proposer de nouveaux centres. Il va frapper de loin, on l'a vu à Boulogne, il frappe beaucoup de loin, il prend sa chance dès qu'il le peut. Ça s'est senti et c'était extrêmement bien joué de sa part sur cette action. Ça aurait pu permettre au Red de faire le break. Attention à cette nouvelle perte de balle. Cette fois-ci, c'est Mathias Ferreira face à Maguette Diong qui perd ce ballon. Rémi Sergio maintenant percussion, très surface de réparation qui pensait que Diong se rapprochait aussi des 16m50 de Sébastien Renault. La passe d'intervalle est manquée. Le dégagement vers Sekou Keita est intéressant, mais manque de soutien pour Sekou Keita. Alors forcément, Consola va remettre le pied sur le ballon et remettre le ballon même sur le côté gauche d'Amiri qui était en position de hors-jeu. C'était sur ce dégagement, c'est Kukuita qui a bien joué le duel avec son adversaire direct. Malheureusement pour lui, il y avait Fofana derrière qui a pu allonger. Et là, ça va donner un coup franc pour Sébastien Renault. Et petite anecdote là pour Sébastien Renault, parce que ce coup franc est à 30 mètres de son propre but. Et il a marqué un but, Sébastien Renault, le seul de sa carrière, exactement dans cette position, un coup franc lointain, dans les premières minutes de la rencontre. Ça avait terminé au fond des filets. Attention, parce qu'on a un puriste à côté de nous, Monsieur Julien Leduc, au fond du filet. Julien Leduc qui est très content d'ailleurs d'être au Stade Bauer aujourd'hui. Et d'ailleurs, anecdote de gardien qui marque, on se souvient aussi d'un ancien gardien de Créteil, qui avec la belle tunique du CA Bastia,
Elle va envoyer un coup franc direct grâce au vent. Elle c'est Kouketa qui arrive dans la surface de réparation, qui va buter sur Ezekiel une fois et pas deux, puisque finalement Ezekiel est bien soutenu par son portier. Belle occasion pour Rennes que c'est Kouketa n'a pas réussi à convertir. Et le nom de ce gardien, Antoine Philippot, qui était doublé en Néan Carmoru, qui est donc parti au CAB. Et c'était contre La Roche-sur-Yon qu'il avait inscrit ce coup franc. Coupe de France 2013-2014, si je ne dis pas de bêtises. Et pour être tout à fait complet sur le but marqué donc par Sébastien Renault, c'était lors d'un match entre Poissy et l'AC Amiens. Poissy l'avait d'ailleurs remporté 3-2 et donc grâce à ce but inscrit dans les premières minutes. AC Amiens avec forcément des poids de folie, l'ancien du Red Star. Exactement. Oh, c'est beau, comment on revient toujours sur le national. C'est génial, j'adore ce championnat. Allez, 32e minute. Un but à zéro pour le Red Star face à Marseille Consola depuis donc la 7e, même 6e. Et le but de Sylvestre, on vous rappelle les résultats de cette 3e journée en profitant qu'il ne se passe plus trop de choses sur le synthétique de Boer. On joue plutôt au flipper depuis quelques instants. Pau a perdu à domicile 4 buts à 1 face à Cholet. Victoire de Grenoble hier 1-0 du côté de Boulogne avec un but inscrit par François Daddy. 0-0 entre Concarneau et Chambly. Victoire de Créteil, vous l'avez vécu sur Jean de Sport, 2-0 face à Avranches avec des buts inscrits par Mourpaille et Sébastien Puy-Grenier dont on parlait cette semaine dans notre émission Flashback National. Les Herbiers se sont imposés 1-0 face à Yon-Duchère avec une nouvelle réalisation d'Ambroise Beau. Et on va revenir au direct avec une percée de Sekou transmettre à Abdoulaye Sané, qu'il est long ce ballon. Oh, qu'il est long ce ballon pour Abdoulaye Sané. C'est un 2 contre 1 dans la surface de Marseille Consola. Il a juste à glisser le ballon sur la droite pour Sané qui après se débrouille face au gardien. Soit il la met, soit il la met pas, mais en tout cas il a en position de but. Bah, la passe du pointu, c'est pas très pratique pour pouvoir marquer. Cette passe qui est beaucoup trop longue, beaucoup trop forte, qui fuit Abdoulaye Sané. Et ça c'est fort. Yes, je crois que c'est plus difficile de la rater celle-là que de la réussir. Mais une nouvelle fois un très bon mouvement du Red Star initié par Idriss Mirsi sur son côté gauche. Et c'est Kouketa au niveau technique, c'est pas encore ça, mais au niveau des appels en tout cas cet après-midi il fait mal à la défense de Marseille Consola. Bah, c'est bien qu'il les appelle. Mais après. Mais aussi bien dans la dernière passe. La frappe, c'est Kouketa, c'est vraiment pas ça aujourd'hui hein, pour l'attaquant guinéen. On finit avec les résultats d'hier avec la victoire 1 but à 0 de Rodez face à Laval avec un but inscrit par Rémi Boissin à la toute fin de cette rencontre et ce grand entente Sébastien Gracien à Esbézier, victoire 4-2 de l'entente malgré le doublé de l'ancien de l'US Usitanos Ousmane Kanté. Comme on a coutume de dire sur le genre de sport que le samedi c'est l'Ousi, on rappelle forcément que Ousmane Kanté a été double buteur hier pour Béziers malgré la défaite 4 buts à 2 et donc match qui ne se jouera jamais Dunkerque-Bastia puisque Bastia repartira en National 3 avec comme entraîneur Stéphane Rossi qui avait fait des merveilles au CA Bastia. On en avait également parlé dans Flashback National. On parle de tout dans Flashback National, de tout. On a toujours raison. Sauf dans les pronostics, on ressortira pas tes pronos de cette semaine. Non. En même temps t'étais pas là. Ah si, t'étais là. Si. C'était Daniel qui n'était pas là, qui nous a fait vivre le match. Je sais même plus qui était là ou qui n'était pas là. Bon, de toute manière, vu qu'il se passe pas grand-chose, on peut en profiter pour dire n'importe quoi. L'image de ce dégagement de Sébastien Renault, attention, ça arrive sur le toit d'une des tribunes, on sait jamais. Les ballons redescendent pas toujours ici au Stade Boer. On va quand même avoir une touche pour Marseille, à une trentaine de mètres du but adverse. Et une touche pour Amiri, le capitaine. Amiri qui a également son frère hein, présent dans l'effectif marseillais même s'il n'est pas dans le groupe pour le match d'aujourd'hui. Amiri qui est un joueur de Marseille Consola depuis longtemps, hein, Marek Amiri. Parce que c'est depuis 2012 qu'il est arrivé à Marseille Consola et qu'il est devenu au fur et à mesure de son influence capitaine de cette équipe. C'est lui qui porte le brassard ce soir. Il y a une grande influence sur le jeu. Oh la belle touche! Oh la belle touche! Oh là, ça faisait longtemps! Oh la touche soleil! Sublime! Sublime! Hein. Oh, ça m'avait manqué là, les touches comme ça du dimanche matin, là, qu'on soit entre amis, la rentrée de touche là, sur le côté droit, en plus devant son banc. Là, c'est très malin de la part. Du Marseille qui a fait cette touche, son nom m'échappe, c'était Gabriel Dubois, voilà. L'arrière droit il nous a fait une touche, le ballon a fait soleil juste au-dessus de lui. C'était absolument magnifique. Allez Thomas, le son pour c'est Kouketa qui rate encore l'immanquable.
Alors ça filait au fond du filet, mais le problème c'est que c'est Sekou Keita qui a filé au fond et pas le ballon. Il est tout seul devant Issy Kelly et il reprend de voler sur le gardien alors qu'il a bu grand ouvert. Ça repart en contre. Amiri tout seul sur le côté gauche, il va tenter d'y aller en force et finalement le défenseur central Florent Osmendi qui arrête cette action. Ferreira en contre, il va passer un joueur, deux joueurs, pas le troisième avec la belle intervention qui est signé Salim Emrabouani. Ah, Mathias Ferreira qui a fait une belle percée, là, il est sorti mais il s'est peut-être un petit peu enflammé le latéral droit. Alors c'est bien, on sent quand même qu'il est... mais des fois un petit peu trop, il en fait un peu trop et là ça a failli coûter cher à son équipe. Heureusement les Odiniens ont pu récupérer ce centre et ça repart de l'autre côté avec Sekou Keita qui rate sa remise de la tête. Pas dans un grand soir à Sekou Keita. Ni dans un grand jour. En tout cas pas un grand match pour l'attaquant guinéen. Et là c'est le ballon pour les joueurs de Marseille contre Gabriel Dubois. Va s'appuyer dans l'entrejeu sur une gambo. Et on va tenter le 1-2 de la tête et ça passe finalement. Mathieu Fontaine qui intervient et la faute de Nyangbo sur le capitaine odonien. Non, c'est Grégoire Lefebvre pardon qui a été touché. Cinquième faute des joueurs de Marseille qu'on se voit dans cette rencontre qui ont du mal à arrêter les odoniens quand même quand ils commencent à prendre de la vitesse, à accélérer. La patrie Gisbroire commence déjà à prendre hein. Sans trop s'enflammer, mais en tout cas dans le jeu on sent que c'est une équipe qui est coachée par Broir avec beaucoup d'intention dans les couloirs, beaucoup de vitesse, beaucoup de disponibilité, mais beaucoup d'occasions non converties déjà dans les 38 premières minutes de ce match. Ouais, il y a un manque de précision dans la dernière passe ou dans la frappe qui empêche pour l'instant les Odoniens de mener un peu plus et pourtant ce serait pas volé au vu de la rencontre, des premières 40 minutes de la rencontre. Mais il va falloir s'appliquer un peu plus dans le dernier geste, parce qu'on a vu aussi tout à l'heure Teddy Thomas qui était pourtant en bonne position frappé à côté. Donc c'est bien de se créer des occasions, mais il y a un moment il faut les convertir. Sinon on est puni. Demandez ça aux Palois dans la première journée qui se sont fait avoir comme ça. Mais surtout qu'ils sont dans la récive hein, de la punition. C'est vraiment les experts dans le championnat qui ont des occasions et qui convertissent pas. En tout cas on va voir si le Red Star se procure une nouvelle occasion avec Idriss Mirsi qui va pouvoir tenter la frappe. Non, le petit ballon c'est bien fait ça sur Abdoulaye Sané, de la surface de réparation. Sané face à Marek Amiri, Sané qui temporise, Sané qui va entrer sur pied gauche, la frappe premier poteau, non il s'est déroulé tout seul, il a été bousculé et pénalty pour le Red Star. Abdoulaye Sané qui est sur leur couloir, qui pousse un petit peu son ballon et c'est Maguet Diongué qui intervient au mauvais moment, qui met le pied et qui bouscule de la hanche Abdoulaye Sané qui était pourtant pas vraiment dans une position dangereuse. Penalty pour le Red Star. C'est quand même fort hein, de commettre la faute à cet endroit-là. Je veux pas accabler Maguette Diongué, mais Abdoulaye Sané tente de frapper du gauche. Il manque complètement le ballon. Ça fait pied d'appui. Ça le suit. Il s'excentre encore un petit peu. Et il est tamponné. Penalty, c'est vraiment la faute bête commise par Maguette Diongué. Et donc, forcément, penalty pour le Red. 40e minute. L'occasion pour Idriss Mirsi d'inscrire son premier but de l'année. Passeur décisif le week-end dernier pour Sekou Keita. Va-t-il être buteur maintenant à la 40e minute devant Siegfried Aissi Kédé. Benjamin Le Paysan lui permet de frapper ce pénalty tranquillement. Le contre-pied absolument parfait, plat du pied, il envoie Aissi Kédé au sol, avant de frapper de l'autre côté. Ça fait 2-0 à la 40e pour le Red Star. Récompensé non pas par ses occasions, mais récompensé par l'activité d'Abdoulaye Sané. Ce pénalty donc converti par Idriss Mirsi. Et la sérénité d'Idriss Mirsi qui met le plat du pied tout tranquille, presque avec nonchalance là, Idriss Mirsi. Mais le contre-pied est parfait et ça fait 2-0 pour le Red Star dans cette première période totalement maîtrisée par les Odoniens. Ils se sont fait peur hein, dans les minutes qui ont suivi leur ouverture du score, mais ils ont repris le contrôle du match tranquillement sans paniquer. Et les voilà qui mènent désormais 2-0. Et ça récompense pas forcément l'activité offensive de Marseille Consola qui a quand même été extrêmement intéressant hein, lors des 40 premières minutes. Mais qui a été aussi brouillon à l'entrée de la surface de réparation. Brouillon dans le dernier geste. Attention maintenant à ne pas reculer du côté odonien parce qu'on l'a très bien vu le week-end dernier à Cholet. Le match était maîtrisé, mais le Red Star a un tout petit peu trop attendu, j'ai envie de dire, son adversaire et a concédé un but sur finalement la seule véritable occasion de Cholet en toute fin de rencontre. Et le Red aurait pu
aurait vraiment pu être rejoint. Allez, le Red Cal ballon avec Mathias Ferreira sur son côté droit, en retrait pour Grégoire Lefebvre, obligé d'allonger vers Sekou Keita qui n'est pas en position de hors-jeu. Bon contrôle poitrine de Sekou Keita qui va devoir temporiser entre 2-3 Marseillais avant de rejouer finalement dans l'espace et vers l'avant. Voici une nouveauté du jeu de la Serbe, qu'avant on joue en retrait, la c'est vers avant, ça part à Sekou Keita, même d'arriver là, ça passe en réparation, mais le centre va être capté parfaitement près des poteaux par ici Kédé. On était vraiment pas loin d'avoir le 3-0 juste avant la pause, et Marseille Consola va pouvoir repartir de l'avant avec Guirondon Nyangbo qui joue en retrait sur Amiri. Allez, Amiri retrouve Nyangbo. Nyangbo face à Mathias Ferreira, double contact. Il a trois joueurs de face à lui. Le retour d'Idriss Mirsi, ça aussi c'est une nouveauté côté Red Star. L'intensité dans la défense. Avant c'était un peu débrouille-toi tout seul, c'est pas ma faute. Et là on a vu trois Odonir alors que Marseille Consola était un peu en difficulté dans son couloir. On a vu encore Mirsi revenir de son côté pour aider. Et attention avec ce petit ballon piqué par le dessus la défense à destination d'Ibrahim Sakho. Sakho qui va centrer en retrait, c'est bien fait ça, et la reprise complètement dévissée par Diawara. Mais très bon travail d'Ibrahim Sakho qui se retrouve côté gauche de la surface de réparation, limite dans les 5m50, qui pique ce ballon en retrait au point de pénalty. Alors heureusement pour le Red, c'est un tout petit peu trop haut, il est obligé de la prendre quand elle redescend, et il n'est pas vraiment en bonne position Abdoul Diawara. Et il dévisse complètement en la prenant de l'extérieur du pied, mais petite frayeur là sur le but de Sébastien Reynaud. Et autant il y a beaucoup d'intention dans ce match, mais techniquement, parfois c'est trou noir. C'est vraiment le trou noir, on voit de belles choses. Arrivé dans la surface de réparation, il y a tellement de crispation. On a des reprises de volée qui sont complètement manquées, des frappes au sol avec le ballon qui tape le pied à fuir. Bon, derrière ça fait pénalty pour Abdoulaye Salé, tant mieux. Mais l'activité des joueurs n'est pas forcément un haut niveau technique par certains moments. C'est dommage puisque mine de rien on a la chance dans le championnat national d'avoir tous les matchs qui sont diffusés en direct. On en a 7 cette année qui seront en direct sur Dailymotion le vendredi soir, 1 le samedi après-midi sur les antennes du groupe Canal. Là on a ce match qui est diffusé sur Canal Plus Sport. C'est un match d'une très belle intensité, surtout pour un début de saison national, mais techniquement parfois ça fait pas non plus une belle promo pour le national. Hein. Ouais, c'est dommage parce que il y a quand même de la qualité dans ce championnat. Bon, c'est assez hétéroclite au niveau du niveau, mais il y a quand même certains joueurs, certaines équipes. C'est bien très homogène au final. C'est Damien Roth qui le disait dans l'avant-match hier de Créteil à Branche, et il disait je dirais pas que le niveau stagne, je dirais pas qu'il régresse non plus, mais c'est très homogène. Et tu sentais dans ses propos que Damien Roth regrettait le national qu'il a connu avec Colmar il y a déjà 5-6 ans, où effectivement il y avait des locomotives et derrière les plus petits, on va dire, se battaient vraiment pour avoir les places d'honneur. Attention quand même, parce que là c'est un Red Star Consola, donc à un moment il y a des coups au sol, il y a un arbitre qui va devoir faire la police, et comme c'est un arbitre qui a la gâchette facile, ça va dégainer un carton. C'est complètement notre opposé, c'est au niveau des bancs, donc impossible de vous dire pour l'instant quel joueur va être sanctionné par Benjamin Le Paysan. Pour le moment, ce qu'on est certain, c'est que Idriss Mirsi est au sol et se tord de douleur. Alors forcément, au Stade Bauer, c'est banlieue rouge comme premier champ. Derrière, c'est rouge, rouge, rouge. Alors, pas sûr qu'on ait le rouge. Pour l'instant, Benjamin Le Paysan va surtout s'assurer qu'Idriss Mirsi puisse se relever avant de prendre une décision avec son arbitre assistant. Pas d'assistance vidéo. Normal, me direz-vous, on est en national, quoique ça ne saurait tarder. On va peut-être expérimenter sur samedi après-midi. Allez, le carton, c'est un carton jaune pour Gabriel Dubois à la 45e. Ah, c'est une action où il y a la couverture de balle d'Idriss Mirsi, de Gabriel Dubois justement, la couverture de balle qui ça tire un petit peu les maillots dans tous les sens. Et Gabriel Dubois, il est jeune, il est assez inexpérimenté, 21 ans seulement, hein, l'ancien de la réserve de l'Olympique de Marseille. Et forcément, ça tire un peu le maillot derrière Mirsi. Il met le petit coup d'épaule qui va bien. Mirsi qui joue bien le coup, qui tombe. Carton jaune donc pour Gabriel Dubois à la 45e minute de jeu, et dans le temps additionnel de cette première période. Temps additionnel d'ailleurs, il n'y en aura pas. Benjamin Le Paysan va envoyer tout le monde de vestiaire dans quelques instants. On n'a pas eu de temps additionnel minimum d'annoncer, donc c'est qu'on n'en aura pas. On n'a pas de quatrième arbitre, mais on a quand même un référent du club qui sort le petit panneau absolument magnifique. Ouais, il va peut-être nous laisser quand même une minute parce qu'il y a eu cet arrêt de jeu il y a quelques instants. Mais c'est vraiment une minute bonus qu'on va pouvoir déguster maintenant avec Amiri au milieu de terrain, avec Sakho
qui repart un petit peu sur sa droite en retrouvant ses partenaires, notamment Diawara qui s'était proposé vers l'avant, Diawara qui conserve le ballon avant d'arriver finalement sur le côté droit justement de Gabriel Dubois, alors qu'on est encore un petit peu de casse au milieu de terrain. Et c'est Maguette Diong qui est resté au sol, et en parlant de rester au sol, Merci va commettre une grosse faute et va écoper aussi de son carton jaune. Quand on nous dit que Benjamin Le Paysan est un habitué du carton, on est déjà au quatrième carton jaune dans cette première période. 45e plus 2, c'est Merci qui prend à son tour. C'est la deuxième faute du Red Star, deuxième carton jaune. Tout simplement. Idriss Merci par contre va devoir se calmer. Il est quand même assez véhément avec Benjamin Le Paysan. On ne devait pas avoir de temps additionnel, finalement on va rester sur ce, j'allais dire, beau synthétique. Non, on va rester sur synthétique. Allez, coup franc pour Marseille. Pas généreux non plus. Alors que il me semble que c'est Maguette Diong qui est au sol. Alors, Maguette Diong s'est relevé, là c'est Dubois qui a, qui a eu droit à son petit coup. C'est Dubois sur le côté droit. Je te la donne, tu me la rends. C'est exactement ça. Il a pas apprécié le coup d'épaule. Merci. En tout cas, coup franc. C'est Rémi Sergio qui va s'en charger. Côté droit. Et comme dit Gabriel Aumont. Attention, danger. Enfin, la dernière fois qu'il l'a dit, ça a failli coûter but pour le Paris FC. Ça marche pas forcément si bien que ça, cette petite superstition de Gabriel Aumont. Allez, c'est parti pour Rémi Sergio au côté droit, entrée de surface de réparation. Et c'est dégagé de la tête par Haroun Assi. Ça va revenir en touche. Et on ne jouera pas la touche, parce que Monsieur Le Paysan renvoie les deux équipes au vestiaire. C'est la fin de cette première période. Le Red Star qui est assez convaincant dans le jeu, mais assez embêté techniquement dans les 30 derniers mètres, réussit quand même à s'en sortir avec avec ce score de 2 buts à 0, grâce notamment à Issi Kédé qui a permis l'ouverture du score d'Abdoulaye Sané et Ludovic Sylvestre avec une passe D d'Abdoulaye Sané. Voilà, parce que Issi Kédé qui a gentiment rendu ce ballon à l'ailier audonien. Ouais, c'est même plus gentiment là. Noël avant l'heure. À la 7ème minute. Et ensuite ce pénalty transformé par Idriss Mirsi. Et provoqué par Provoqué par Abdoulaye Sané. Bah forcément. Forcément. On va se quitter quelques instants pour la mi-temps. Mes chers amis, on va espérer que le courant reste à la mi-temps et reste pour la seconde période. Sinon on revient en live tweet. Ce serait bien dommage. Mi-temps, on se retrouve donc juste après, 2-0 pour le Red, comme vient de vous le dire Antoine Ballet, avec deux buts inscrits par Sylvestre à la 6ème minute, et Merci sur penalty à la 40ème.
retour en direct sur Jean Desport, en direct du stade Boer avec une sono absolument incroyable. Quand on vous dit que Boer c'est sympa mais c'est pas pareil qu'avant, avant c'était du Oasis, c'était Coldplay, c'était du bon son rock, c'était plutôt Wii FM. Là je sais pas ce que c'est mais c'est un petit peu immonde. Bref, 2-0 à la pause, les deux équipes sont de retour. Consola sur votre gauche, le Rastar sur votre droite. Si vous nous écoutez et que vous ne regardez pas naturellement la télé, merci d'avoir coupé la sono. Au moins quand le courant était coupé tout à l'heure, c'était bien, on n'avait pas de musique. Non, oh bah c'était pas obligé parce que lors du match face à Pau par exemple, la sono avait continué pendant 30-40 secondes après qu'on envoie la seconde période qui est donnée à l'instant même par le joueur de Marseille Consola, et c'est directement sur Sébastien Reynaud. Voilà, coup d'envoi plus que national. Ah, d'habitude c'est en touche, là c'est directement sur Gadin qui d'ailleurs va prendre son temps forcément. Pourquoi il prendrait pas son temps? C'est bien de gâcher un ballon comme ça. On considère que c'est une frappe quand même, hein. La première de la seconde période. Allez. Bah oui. Oui quand même. J'aime bien, j'ai vu ça hier sur leur entente Béziers. Je sais pas pourquoi, après le 4-2, le coup d'envoi suivant le 4-2, Béziers a dit on va frapper de loin. On sait jamais, si on lobe Salamone qui est sur sa ligne de but, ça peut passer. Pourquoi pas, après tout. Aucun changement donc à la pause, même techniquement, puisque les frappes de long on les rate. Ah bah voilà, c'est un petit pont. C'est cadeau de la part d'un joueur marseillais qui est pile au niveau de la poutre qu'on a là, au niveau de la tribune de presse. Donc c'est bon, on n'a même pas pu voir qui c'était, on a juste vu le ballon passer entre les jambes. En tout cas, pas de changement, et Consola tient le ballon sur ce début de seconde période, mon cher Antoine Ballet. La Consola qui vient de dépasser Aïm, il y a justement, et on va chercher l'entrejeu, c'est bien fait, c'est avec Rémi Sargio à 30 mètres du but, qui va tenter sa chance. Rémi Sargio, ça partait bien, c'était flottant, c'est capté par Sébastien Reynaud. Et voilà le deuxième tir cadré des joueurs de Marseille, Consola. Dès la 46e minute de jeu. Bonne séquence, on a trouvé Rémi Sergio dans l'entrejeu. Et ce dégagement avec Sekou Keita au duel. Keita qui a peut-être rentré dans la surface de réparation en couvrant cette balle. Finalement ça en dehors, c'est sur le côté gauche. Keita qui est passé et qui va obtenir le corner face à Fofana. Et juste avant le corner... À la mi-temps, un but partout entre Lens et Brest, ouverture du score de Fortuné à la 9e, même si certains collègues s'en fichent royalement. Mais c'est juste pour dire que Jason Berthomier, ton grand copain, Jason Berthomier, l'ancien Bressan, a égalisé juste avant la pause. Le corner donc pour le Red Star qui va être frappé par Teddy Thomas, sortant avec son pied gauche. Quelques pas d'élan pour Thomas avant de brosser au niveau du point de pénalty. Oh, c'était repris par la tête de Mathieu Fontaine, le capitaine. Et finalement sorti en corner par la défense marseillaise, seconde chance au même endroit pour Teddy Thomas. C'était Rémi Sergio au premier poteau sur sa ligne qui dévisse ballon de la poitrine. Heureusement pour Marseille Consola, elle n'était pas très puissante cette frappe. Le deuxième corner d'affilée, c'est parti. C'est une nouvelle fois tiré au point de pénalty. C'est dégagé cette fois-ci par la défense marseillaise, mais ça revient sur le Red Star avec Idriss Mirsi. Au 30 mètres qui va changer complètement de côté pour repartir sur Sekou Keita. Tiens, qui a changé de crampon à la pause. Ça peut être l'aider pour marquer, qui sait. Pas pour centrer, avoir un corner, ce sera plutôt une touche offensive, on sait jamais. Hein, peut-être que c'est un problème de chaussure pour l'attaquant guinéen. Hein. En tout cas, son contrôle était réussi sur cette ouverture. Ça c'était gratuit, désolé. De Mirsi. Et c'est Mathias Ferreira qui va jouer la touche à 5 mètres du poteau de corner côté droit. C'est joué sur Abdoulaye Sané qui va couvrir cette balle et qui va pas réussir à l'empêcher de sortir. Renvoi aux 5 m50 pour Marseille Consola qui est complètement asphyxié en début de seconde période. Et tu as retenu que s'il y a but, le ballon va au fond du filet. Voilà. C'est très bien. Temps additionnel qui est donc minimum. Oui. Voilà. Il faut vraiment tout leur apprendre à ces petits jeunes. Le renvoi 5m50 de la part de Siegfried et Sikede qui va être maîtrisé finalement au milieu de terrain par les Odoniens avant de voir Teddy Thomas perdre ce ballon. Et possibilité de compte sur le côté droit avec l'arrivée ou presque l'arrivée de Gabriel Dubois qui va devoir patienter pour jouer en retrait sur Rémi Sergio. Peu de solutions pour Sergio à part s'appuyer dans l'axe sur Guirolon Nyongbo. Mayet Diong qui essaie de repartir sur le côté gauche maintenant avec Abdou Diawara. Diawara dans la surface de réparation aux prises face à Mathias Ferreira, pardon, qui ne parviendra pas à armer de frappe ni même à effacer le défenseur odonien, plus le retour de Formos Mendy qui d'ailleurs obtient le coup franc. La petite semelle de la part de Diawara. Rien de grave hein, pour Formos Mendy qui a pris les crampons de son adversaire sur le tibia. Il s'est relevé, le défenseur central odonien. Et ça va être un coup franc pour Sébastien Reynaud à la limite de sa surface de réparation. Et Mathieu Fontaine hein, qui demande à Idriss Mirsi de rentrer, le décaler. Il s'était excentré côté gauche. On lui demande de revenir un peu plus vers l'axe.
C'est dégagé par Sébastien Reynaud. On cherche Sekou Keïta. On va trouver la tête de Mwamboigny. Et finalement Mathieu Fontaine écarte sur Sekou Keïta, où il a vu le pied de son adversaire lui passer pas loin du nez. Finalement c'est dégagé, ça serait une touche pour le Red Star. Alors qu'on a failli avoir le ballon dans le poste commentateur de nos confrères de Canal Plus Sport. La touche a été jouée. Ouais, elle est jouée limite quand même. Hein. Elle est jouée limite, c'était quasiment la touche de Dubois tout à l'heure. C'est pas pourquoi, mais je sens que cette seconde période va pas être du même acabit. En tout cas, on est parti sur des bases un peu plus calmes. Un peu plus nationalesque. Alors... Et pas loin du parcage de Consola, on l'a pas noté. Parcage composé de 3 supporters. Autant de supporters que le stadier. On parcage d'ailleurs. Pour la petite anecdote. Allez, le jeu renversé du côté de Dubois. Donc côté droit de cette défense de Marseille. Consola, jeu long ensuite proposé par Ahmed Souligny. Directement sur le côté gauche. On passe par un jeu beaucoup plus direct dans l'équipe d'Eric Schell sur ce début de seconde période, qui a joué, qui a posé le ballon au sol lors des 45 premières minutes sans grande réussite. Et nouveau long ballon au Donien qui arrive sur une position illicite de Sekou Keïta, ballon donc pour la défense centrale de Marseille, avec pour jouer ce coup franc Fofana directement sur Dubois. Allez, Dubois, il va peut-être tenter le centre tendu. Non, c'est bien fait, c'était à terre. Ça partait vers Maguette Diongué, finalement c'est un tout petit peu trop fort pour que le joueur puisse le récupérer. L'ancien du CA Bastia qui a vu ce ballon lui passer devant, et finalement c'est jusqu'à Sébastien Reynaud qui va encore une fois prendre tout son temps pour dégager. On cherche une nouvelle fois Sekou Keïta qui va encore être pris. Attention là, et le bon réflexe de Fofana, et finalement la faute de Sekou Keïta qui commet un grand nombre de fautes sur ce début de seconde période. En même temps, on en a parlé de Benjamin Le Paysan lors des 45 premières minutes. On va ressortir ses stats après ce très bon ballon pour Sekou Keïta justement, qui est encore en position de hors-jeu et qui de toute manière perd son face-à-face devant Aïssi Kédé. Justement, les stats de Benjamin Le Paysan la saison dernière, puisque son premier match arbitré cette année était le week-end dernier à Chambly pour ce Chambly et les Herbiers. L'an dernier, 16 matchs arbitrés, c'est un très bon ratio pour ce championnat. 68 cartons jaunes, 8 exclusions, donc ça fait une moyenne à 4,25 cartons jaunes par match. Là on est en plein dans la moyenne puisqu'on est à 4 sur les 45 premières minutes. Et surtout, la moyenne de cartons rouges par match, bah c'est 0,5. Donc c'est un carton rouge tous les deux matchs. Premier match, on n'en a pas mis. Si on croit à ces petites stats et qu'on est superstitieux, bah on va dire que cet après-midi, il y aura un carton rouge. Et pour la petite anecdote, monsieur Le Paysan qui a déjà arbitré le Red cette saison, mais pas en match officiel, puisqu'il a arbitré le dernier match amical des Odoniens à Duvauchel face à Créteil. Match, on le rappelle, perdu par les Odoniens. 1-0 sur un penalty de Grégoula. Greg Jandret, qui avait transformé ce penalty, qui était pas titulaire, qui était rentré en cours de jeu. Les choses ont bien changé pour le Red Star et également pour Créteil hein, depuis ce match. Oui. Alors il y a certains joueurs qui prennent absolument pas en compte les résultats des matchs amicaux, un peu comme Romuald Marie, un ancien d'ici qui est désormais aux Herbiers, et qui me disait récemment c'est bien d'être champion des matchs amicaux, mais si derrière tu gagnes pas un match. Pour palmarès des matchs amicaux, de toute manière tout le monde s'en fout, donc mieux vaut perdre tous ses amicaux et enchaîner derrière en championnat plutôt que tous les gagner. Ils avaient notamment avec une équipe complètement remaniée battu Cholet 3-2 en menant 3-0 à la pause les Vendéens, et quand on voit le début de saison des Herbiers, on voit que c'est quand même un petit peu plus compliqué à enclencher la première en championnat. Il faut à chaque fois des buts en toute fin de match d'Ambroise Beau pour que les Herbiers, sur la journée précédente et celle-ci, puissent l'emporter, et à chaque fois l'ouverture du score à la 70e, en plus d'Ambroise Beau. Et pour l'instant, les Herbiers, c'est dans les 20 dernières minutes qu'ils convertissent. Et c'est pareil pour Créteil, qui a fait une préparation satisfaisante au niveau des résultats et au niveau du jeu, et qui s'est complètement effondré. Lors des premières journées, heureusement, il y a eu cette réaction hier soir face à une équipe avranchinaise qui avait également en difficulté dans ce championnat. Qui est toujours en difficulté sur le début de saison. C'est ça qu'il faut aussi relativiser un petit peu la victoire de Créteil hier, ne pas voir quelque chose de miraculeux. D'autant qu'au niveau du jeu, c'était pas non plus flamboyant. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais on a revu un Sébastien Pugrenier, buteur, et surtout dans l'impact défensif, on en reviendra bien sûr plus longuement sur ce réveil cristolien dans Flashback National. Allez, ce ballon pour Aranissi, côté gauche, le centre d'Arunassi en direction de Sekou Keïta qui ne regardait pas la balle. De toute façon, ça a été dégagé par Fofana, mais encore une fois, Keïta qui a plongé
vers les 5m50, vers le milieu du but, alors qu'il aurait fallu couper au premier poteau puisqu'Abdoulaye Sané était en couverture derrière lui. Nouvelle fois mauvais choix d'appel pour Sekou Keita, et là c'est le bon choix d'appel en profondeur pour Niangbo, qui va tenter de s'amener la balle. C'est finalement capté par Sébastien Reynaud. C'était pas bien joué encore. C'était pas bien joué de la part de Guy Roland Niangbo, l'ancien de Charleroi, du Sporting Club de Bastia, passé aussi à Luznac, à Istres, ouais, qui a une belle carrière hein, tout de même, Guy Roland Niangbo en particulier dans notre championnat national. On attendait un petit peu plus quand même de lui sur cette action. Et nouveau ballon là pour les Marseillais avec Niangbo en position de hors-jeu. Alors je dirais pas qu'on a autant de hors-jeu que de frappe au but, mais on est quand même parti sur de très belles bases de position illicite sur cette seconde période, puisqu'on en a déjà 3 de signalés même du côté du Red Star, 3 de signalés du côté du Red et une du côté de Marseille Consola. Ça nous fait déjà 4 positions de hors-jeu. Ouais, sur cette seconde période, pour l'instant on a plus de positions illicites que de tirs, comme tu viens de le dire. On espère ne pas revivre la même chose qu'on avait vécu ici il y a 2 semaines face aux Palois, c'est-à-dire un match constitué seulement de longs ballons entre la 20e et la 40e minute. Et malheureusement du côté de Marseille Consola, on s'en met de partie là-dessus. Mais pour le Red, ça tente de combiner, pourquoi pas Idriss Mirsi qui a laissé passer cette balle. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour effacer le défenseur et là Grégoire Lefebvre. Bonne intervention, Teddy Thomas s'appuie sur Idriss Mirsi. Mirsi qui a voulu la remettre à Teddy Thomas, il a été balancé. Idriss Mirsi et le carton jaune, le 5e de la rencontre. Il est pour Mramboigny, qui a effectivement bien balancé hein, Idriss Mirsi, qui avait raté un petit peu sa remise en direction de Teddy Thomas. Mais on sent un petit début de connexion technique entre les deux joueurs audoniens, qui pourrait, si elle s'intensifie et si elle devient un peu plus régulière, devenir intéressante pour le Red. Encore beaucoup de choses à affiner sur ce début de saison, et les combinaisons au milieu de terrain, comme tu le disais, sont assez intéressantes et peuvent amener un peu plus de vitesse, en tout cas sur ce début de seconde période. Seconde période qui a commencé depuis 12 minutes. Aucun but inscrit, aucune occasion à noter sur ce début donc de seconde période. Pour l'instant, on est plutôt tranquille, plutôt serein du côté du Red Star. On laisse un petit peu venir Marseille et on va procéder. Par contre, s'il y en a, tout naturellement, long ballon des Marseillais qui tombe sur Mathias Ferreira, la remise pas forcément bien assurée, récupérée par Rémi Sergio, qui a tenté une grosse chevauchée le long de la ligne de touche. Le ballon est un petit peu sorti de l'air de jeu, de peu, mais il est sorti. Coup de sifflet de Benjamin Le Paysan pour une rentrée de touche effectuée par Ferreira sur Lefebvre qui balance vers Sekou Keita. Ballon qui revient au milieu de terrain, Lefebvre toujours un petit peu ballotté cette fois-ci. C'est Marseille qui peut récupérer, essayer de partir très vite en contre avec un ballon dans l'axe pour Maguette Diong face à Ronassi. Ça va se poursuivre encore pas sur le côté droit. Et il la joue un petit peu trop personnel quand même le Marseillais sur cette action. Il y avait un très bel appel proposé par Dubois dans le couloir droit, l'opposé de l'origine de cette action. Mais on essaye à chaque fois de passer par l'axe, de passer en force avec les joueurs de taille comme Maguette Diong, comme Abou Diawara. Et à un moment, il y a un coup de sifflet de Benjamin Le Paysan pour arrêter les actions. Oui, forcément, ils insistent dans l'axe alors que pourtant, ils avaient, bon, en début de match, ils sont repassés, comme on l'a signalé, à une défense à 4. Mais une composition qui était à la base faite pour passer par les ailes avec 2 pistons sur les côtés. Alors que là, il y a une petite main là, d'Abdoulaye Sané. Et depuis le retour du passage à 4 défenseurs, et bien on insiste dans l'axe alors qu'il va y avoir le premier changement pour Marseille Consola. Ce sera même un double changement avec la sortie de Diawara. Exactement. Remplacé par Amadi Tamboura. Et le deuxième changement est la sortie de Salim Rabouani, remplacé par, on n'a pas eu le bon numéro il me semble, si on a dû l'avoir, par Bilal Hageni. Allez, le jeu qui a repris avec Rémi Sergio au milieu de terrain, il tente directement de lancer son attaquant mais ça va être mis de la tête par Mathieu Fontaine jusqu'à Sébastien Reynaud qui va temporiser tranquillement. On sent que le Red Star pour l'instant se satisfait de ce 2-0. Alors bien sûr, s'il y a une opportunité
Ouais, ils vont la saisir. On va la saisir, mais pour l'instant, il joue plutôt tranquillement, sans paniquer, sans s'inquiéter. Et il est vrai que les joueurs de Marseille-Consolène n'arrivent pas pour l'instant à mettre en danger le portier audonien. À part des longs ballons, il n'y a pas grand chose à signaler. Attention à ce contre quand même. Thomas qui récupère un ballon aux 30 mètres. Oh, la remise sur le côté droit est intéressante, mais encore une fois. Position de hors-jeu contre Sekou Keita. Et déjà la quatrième dans cette seconde période. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup, d'autant que là, personnel, on est à 5 ou 6 hein, déjà. Il y a juste Abdoulaye Sané qui a dû être hors-jeu en première période, excepté lui. Mais toutes les positions de hors-jeu sont pour Sekou Keita cet après-midi. Ouais, d'autant que là, sur l'action, la défense est en train de reculer, donc il avait juste à temporiser un petit peu et il était en position licite. Surtout que la passe de Deitema était bonne et sur le bon timing, c'est vraiment Sekou Keita qui s'est mal placé. Attention, pourquoi pas avec ce centre, et encore une fois, on est en difficulté hein, côté Marseille Consolade, dès qu'il s'agit de construire une action, même si là, on va concéder la touche avec Haroun Nassi qui a envoyé ce ballon en tribune. Et pas qu'un peu. Hein. Ouais, il a vraiment dégagé très vite dans la tribune pour assurer vraiment le coup jusqu'au dernier moment. C'est vrai que cette seconde période pour l'instant elle est pas non plus extrêmement animée. On a quelques vagues éventuellement en contre, mais ça suit pas hein, comme à l'instant du côté audonien. Seul Mercier était parti en attaque. Alors qu'il y aurait 2268 spectateurs cet après-midi au Stade Boer. Belle affluence, surtout sur un stade à 3000. Surtout s'il y a vraiment 2268 spectateurs. De manière, c'est abonné compris. Un abonné qui ne va pas être un abonné compté. On connaît bien du côté de Créteil, notamment sur ce comptage du public où on est souvent surpris par le nombre de spectateurs à Duvauchel quand on voit le remplissage de la tribune en face. Ici à Boer, on est un petit peu moins surpris de ce nombre parce qu'on sait qu'il y a souvent du monde hein, qui vient voir le Red Star. Et cet après-midi, c'est contre Marseille Consola à l'attaque désormais. Avec pourquoi pas le premier ballon pour Agueni, finalement ça va être dégagé par Grégoire Lefebvre. Et c'est un corner pour Marseille Consola ou une touche. Corner. C'est bien corner. Côté droit. Le premier dans cette seconde période. Le premier corner de Marseille Consola sur cette rencontre. Un corner qui sera frappé par Rémi Sergio. Rentrant avec son pied droit, Sergio, ses premiers poteaux, c'est Sylvestre qui va dégager, nouvelle chance, pourquoi pas à distance, mais c'est une frappe complètement manquée de la part d'Ibrahim Sacco. 63ème minute, 2 à 0 pour le Red Star face à Marseille Consola dans une seconde période qui vaut ce qu'elle vaut. C'est-à-dire qu'au niveau du rythme, on n'est pas sur les mêmes tempos que la première, qui était, il y avait vraiment du jeu vers l'avant, des combinaisons, et là c'est le Red Star qui gère son match. Et Marseille Consola qui s'obstine et qui pour l'instant n'y arrive pas. Là c'est piano et pas raccordé du tout quoi. Ah oui là. C'est. Et on voit un manque d'investissement de la part de Marseille Consola. Là par exemple Grégoire Lefebvre qui a pu orienter parfaitement. Il y avait 4 joueurs de Marseille Consola autour de lui et pas un seul n'est venu vraiment le gêner et mettre la pression. Mais même techniquement, autant on pouvait se plaindre par moment de la première période qui techniquement était bien moins intéressante. Mais là. Techniquement, c'est limite, très limite. Dans les intentions, il n'y a pas grand chose. C'est curieux. C'est vraiment là la seconde période typique de National où une équipe à domicile mène, gère, ne va pas s'affoler. Attention quand même à ce ballon intéressant là pour Sekou Keita, l'entrée de la surface de réparation qui a voulu temporiser, attendre du soutien. Et voilà, on dépasse pas 3 touches ou 4 touches de balle par équipe. Même si la seconde chance arrive avec Lefebvre qui a repiqué un ballon dans la surface pour Sekou Keita qui, comme d'habitude, est hors jeu. On se répète vraiment dans ce début de seconde période. Ça va faire 20 minutes que Sekou Keita est hors jeu. J'ai fini par plus avoir de place pour y noter, c'est hors jeu. Mais surtout là, on va faire un petit focus Sekou Keita. C'est une nouvelle faute commise par un Marseillais. Et on regarde le replacement de Sekou Keita. L'action se termine. Les défenseurs marseillais s'arrêtent, s'alignent. Sekou Keita est à peine revenu. Mais donc vraiment, même dans son replacement, il prend beaucoup de temps. Alors je pense pas que ce soit déjà la fatigue du début de saison qui arrive, le contre-coup de la préparation. Mais il ne se replace pas vite déjà Sekou Keita. Et il repart de suite sur les appels en profondeur. C'est un petit peu exaspérant. Ouais, surtout que dans son placement il reste collé vraiment à la ligne de défense marseillaise. Alors forcément quand il commence à prendre de la vitesse, vu qu'il est quand même plus rapide que ses deux vis-à-vis, il suffit que la passe soit un tout petit peu trop tard et il est déjà en position de hors-jeu.
Donc ouais, c'est un peu problématique là pour le Red, qui aurait les opportunités pour se mettre définitivement à l'abri dans cette rencontre, mais qui à cause du placement de son attaquant n'y arrive pas. Et c'est pareil de l'autre côté, puisque là c'était Gabriel Dubois qui était en position de hors-jeu. Mais j'ai envie de dire que c'est quand même un petit peu moins dérangeant quand c'est de l'autre côté. Juste un petit mot sur la Dominos League 2 avec Brest qui mène désormais 2 buts à 1 à Lens. Je te laisse deviner le buteur. Nouveau but de... J'ai un trou. J'ai un trou, c'est un très bon joueur. À mon avis, j'ai un trou, ça peut être une bonne solution. Vachou contre son camp. Il a vraiment dû se trouer là pour permettre à Brest de mener 2 buts à 1. Ah, j'étais pas loin. Ouais, t'étais pas loin. Un peu comme les débuts de saison du Racing Club de Lens. Mais là, c'est gros trou parce que 4ème match, 4ème défaite quand même pour les 100 et or. Ouais, ils étaient déjà en position relégable avant cette rencontre. Ça va pas s'arranger. Et encore une très belle intervention de Formose Mendy qui a complètement cassé la contre-attaque de Marseille. On revient à Boa. Avec la montée de Grégoire Lefebvre, il est contre-favorable. Grégoire Lefebvre qui va pouvoir allonger vers Sekou Keita, pas en jeu cette fois-ci. Keita, entrée de surface de réparation, plein axe, les passements de Sekou Keita qui a pourquoi pas attendu la frappe. Il a voulu tenter de glisser ce ballon à Idriss Mircier. Il n'y avait pas l'espace pour frapper, il n'y avait pas non plus l'espace pour la frappe. Pour la passe, pardon. Dommage qu'on n'ait pas les ralentis parce qu'il me semble quand même qu'il était un petit peu hors jeu. Il me semble également qu'il était parti devant son défenseur pour finalement revenir derrière. Je pense déjà qu'il n'était pas revenu, donc il était resté devant. Voilà, notre thème seconde période, c'est est-ce que Sekou Keita sera en jeu ou non. Bon, là, comme tout le monde est dans le camp du Red, c'est impossible. Et il va revenir défendre sur un nouveau corner pour Rémi Sergio, le corner numéro 2 dans cette seconde période. Pour les Marseillais qui frappaient premier poteau, qui est timidement envoyé par la défense au Denis. Seconde chance, pourquoi pas avec Nyongbo dans la surface de réparation. Nyongbo avec un partenaire qui a tenté de frapper et qui va mettre à contribution Sébastien Rayo. Il s'agissait de Bilel Hagueny pour la première tentative cadrée de cette seconde période. Il y a même la deuxième de cette seconde période. Deuxième, ouais. Pour Marseille Consola avec la frappe lointaine tout à l'heure. Flottante qui n'a pas inquiété Sébastien Reynaud. Tu veux dire sur le coup d'envoi là ? Non. Ah, on a trois. Donc on a trois frappes. J'ai décidé de la compter celle-ci. Je l'ai compté d'ailleurs. Ah oui, donc ça fait bien trois frappes. Voilà. Et moi j'ai eu un trou, un petit peu comme Jérémy Vachou. Attention là quand même à ce gros pressing des joueurs de Marseille Consola. Et on s'en sort du côté du Red Star et de toute façon, on a sifflé une position de hors-jeu. Comment on... Il n'y a pas hors-jeu. Ah, oui. Bon. Heureusement qu'il me reste un petit peu de café pour tenir parce que là, on a plus de hors-jeu que de contrôle réussi dans cette seconde période. Ce qui pour l'instant arrange le Red Star qui se satisfait parfaitement de ce rythme cassé. C'est même plus cassé, Antoine. Arrête d'être gentil. Là, vraiment, t'es d'une gentillesse, ça c'est incroyable. J'ai rarement vu une seconde période aussi soporifique que celle-ci depuis le début de saison en National et pourtant j'ai vu tous les matchs. Je dois être le seul à avoir vu tous les matchs d'ailleurs dans ce championnat, mais il ne se passe rien. Si, à l'instant, un petit peu d'espace quand même pour les Marseillais qui vont procéder en compte. Belle accélération d'ailleurs de la part des joueurs d'Eric Schell pour pouvoir décaler le ballon sur le côté gauche. Avec en percussion un Marseillais qui rentre dans la surface et qui va frapper quasiment dans le visage de Formose Mendy. Il s'agissait de Tambourin qui venait d'entrer en jeu il y a quelques instants. Et on repart de l'autre côté avec Teddy Thomas pour Sané qui a tenté le crochet. Ça ne passe pas devant le capitaine de Consola Amiri. Derrière, grosse faute commise par Ferreira. Et Mathias Ferreira là qui a bousculé son adversaire dos au jeu, qui a essayé de prendre le ballon dans les pieds, sauf qu'il a tout embarqué. Et ça donne un coup franc intéressant à jouer pour Marseille Consola et pour Rémi Sergio. C'est joué rapidement, attention à cette combinaison. On est avec Nyangou dans la préparation de but et il est en position de hors-jeu. On va pas te casser la voix de suite, attends un petit peu. Bon, au moins on a de l'ambiance et ça s'entend. Heureusement qu'on est de retour à Boer parce que si c'est un match aussi soporifique, plus à Jambouin, ou pire à Beauvais. Bon, on en a eu des soporifiques à Beauvais. Bon, on a eu que ça. Donc, même quand Valenciennes venait s'imposer 5-0, que le PFC venait s'imposer 4-2, c'était les seuls matchs où il y avait beaucoup de buts. De toute manière, on était dans une cabine, donc c'était très dur d'avoir l'ambiance. Qui de toute façon n'était pas là. Non mais c'est l'ambiance dans le jargon hein.
pas dans le bon sens du terme. Alors là, le bon sens du terme, on va pas du tout avec ce pied extrêmement haut de Hagemi. Et pour dire que cette seconde période est quand même assez incroyable, sur un pied extrêmement haut comme celui-ci, Benjamin Le Paysan ne sort pas de carton contre le nouvel entrant marseillais. Donc il est juste au-dessus de sa moyenne avec 5 cartons, il va pas la gonfler artificiellement pardon, avec un sixième carton. Là maintenant on est en quête du carton rouge. Oui. On rappelle la stat, c'est un match sur deux. La semaine dernière on n'en a pas eu. On attend qu'il y en ait un cette semaine. Bon, on attend quand même une occasion. Est-ce qu'on va l'avoir maintenant? Dis-moi oui, donne-moi un petit peu d'espoir pour accompagner ce ballon Teddy Thomas. Allez, ça dépendra justement de l'ancien joueur de Boulogne avec ce coup franc qui va être envoyé dans la surface de Ré... Bah non. Il a pas décollé ce ballon de Teddy Thomas. Et en plus il fait faute. Ouais, c'est un mec qui laisse jouer, ça qui laisse l'avant. Ou pas. Mais qu'est-ce qu'on fait là Antoine? Qu'est-ce qu'on fait là? On aurait dû rester chez... Non, j'habite pas loin, on pourrait limite aller voir le match chez moi, je suis à même pas 10 minutes, donc on serait peut-être mieux à la maison avec des bières. Hein. Encore 20 minutes. Oh là 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 là. Encore 20 minutes à tenir. Ça va être sympa là de faire le match replay de cette rencontre qui vous aurez dans Flashback League 2 lundi, votre émission hebdomadaire d'une heure pour revenir sur toute l'actualité du national. On parlera bien entendu du Red Star, de l'entente chez moi Saint-Gratien et cette très belle victoire face à Béziers. On reviendra pour la dernière fois de la saison, je pense, sur le Sporting Club de Bastia puisqu'on a eu un dénouement. On parlera aussi en longueur de Rodez qui est le tombeur des gros sur ce début de saison. Premier match seulement la semaine dernière, exempt la première journée puisqu'il devait jouer Sporting Club de Bastia. Nul à Grenoble, victoire à domicile face à Laval hier. Laval qui a pourtant touché deux fois à la transversale. Alors Rodez, pourquoi pas un épouvantail des gros cette saison. Ce seront les débats qu'on abordera lors de notre flashback national épisode 3. Mais attention à ce gros ballon en retrait pour Aïssi Kélé qui a du mal à contrôler devant Sekou Keita qui va dégager plein axe et va profiter à Teddy Thomas. La remise de la tête là pour les retrouver Sives qui talonne pour Mirsi qui n'était pas en position illicite. Loin de là, une nouvelle ballon en retrait pour Aïssi Kélé qui va lui aussi manquer son dégagement. Ça va rester dans l'air de jeu sur le côté droit de Dubois. Pression de Sylvestre et le ballon qui va être finalement conservé par les Marseillais. On pouvait un petit peu s'enflammer, espérer quelque chose sur cette action, finalement non, puisque c'est un contre marseillais avorté par bonne présence de Lefebvre. La roulette quasi terminée, le ballon était resté un petit peu derrière lui, finalement Sergio va pouvoir repartir sur le côté gauche. Allez, côté gauche, on a désormais Sacco qui part et qui est retenu par Mathias Ferrin. La faute a été rapidement jouée avec le nouvel entrant qui va tenter la frappe. Ouh, ça va pas passer très très loin du but de Sébastien Rémeux qui a fait signe, ça passe à côté, puis qui finalement s'est remis sur ses appuis parce qu'elle était rentrante cette frappe d'Ibrahim Sacco. Et changement à la 73e avec la sortie de Sekou Keita qui même en sortant arrive à être hors jeu et quand même derrière les deux derniers défenseurs. Ah, c'est incroyable. Non, mais il est passé vraiment derrière les deux derniers défenseurs pour revenir au niveau de la ligne médiane. Là, même pour y aller du temps, c'est complètement inutile. Ah, ce qui est assez incroyable de la part de Sekou Keita, c'est que même sur l'action précédente où Idriss Mirsi, malheureusement pour lui, rate son contrôle, il était en position d'hors-jeu encore, en train de marcher sur le côté gauche de la bête. Il était même pas en train de se placer pour éventuellement recevoir le ballon. Non. Mais pourquoi? Après tout. En tout cas, il est remplacé par Anthony Petrilli. Combien de positions d'hors-jeu pour lui aujourd'hui? Et mes 4. T'es sûr? 5, pardon. 5. Il y en a une que j'ai dû marquer au-dessus parce que je n'avais plus de place. Il y a autant de positions de hors-jeu de Sekou Keita que... Même plus de positions de... Ouais, c'est ça. Non, autant de positions de hors-jeu de Sekou Keita que de tir cadré. J'ai mal un petit peu avec tes petites notes, là. Je comprends pas trop où tu les vois. De toute façon, c'est un peu comme Sekou Keita, on sait pas trop où c'est. On sait que c'est là. Malheureusement aujourd'hui son match, on va pas forcément lui donner les bons points dans notre flashback national de ce lundi. Allez, centre qui vient de la droite vers Petrilli qui s'écroule un peu dans la surface de réparation au duel face au défenseur central de cette équipe de Marseille, Consola, qui était autre que Soli. Malheureusement pour lui, pas de possibilité d'attaquer. On va rentrer dans le dernier quart d'heure de ce match. Ça ravit le cop que je dise qu'on soit dans le dernier quart d'heure de ce match. Il faut bien s'informer pour quelque chose, parce qu'ils n'ont pas tellement eu l'occasion de le faire dans cette seconde période. Donc ouais, c'est bientôt fini. Allez.
Le ballon pour Marseille, Consola et Soli donc. Là pour va encore tenter d'allonger, mais personne n'était parti en profondeur. Mais ouais, il peut allonger tant qu'il veut, c'est nous qui allons finir pas être couché quoi. Ah oui, c'est ce match qui est allongé là. Mais je comprends pas la stratégie des joueurs de Marseille Consola qui étaient pourtant. Ils avaient des opportunités en première période, ils mettaient en difficulté la défense londonienne et là, au lieu de tenter de jouer au sol et de combiner dans une défense qui est quand même toujours pas forcément coordonnée, on cherche seulement des longs ballons vers Niangbo, qui ne pourra pas tout faire tout seul. Alors que là le bon test d'Eris Mirsi qui va tenter la frappe au premier poteau. Bon bah désormais on a plus de tirs cadrés que de hors-jeu de Sekou Keita. Et c'est le premier tir odonien dans cette seconde période. En plus il est cadré, 76e minute. Oh, petit à petit on y arrive. Ça va peut-être nous offrir un bon dernier quart d'heure. Attention à cette nouvelle attaque avec Tambourin. Poteau de corner sur le côté gauche qui attend du soutien dans la surface de réparation. Son centre est contré, il va le protéger intelligemment pour obtenir le corner. Sauf qu'il ne l'aura pas. Très bonne tête de Mathias Ferreira le long de la ligne pour ressortir le danger sur cette action. Sylvestre soutenu par Abdoulaye Sané qui va pouvoir jouer loin devant vers Anthony Petrilli. Petrilli qui va accélérer face à Soli. La balle en retrait pour Aissi Kédé. Qui a un jeu au pied qui est toujours aussi précaire. Tout comme son jeu à la main, ce qu'on a vu en première période. Allez, ça c'est aussi gratuit. Bah, malheureusement pour lui, c'est pas son match hein, à Aissi Kédé parce qu'il a offert le premier but au Red Star avec le troisième changement. Marseille Consola, la sortie de Maguette Nyongué qu'on a assez peu vu en cette seconde période, et il est remplacé par Sander Benachir à la 76e minute de jeu. On avait un 2-0 pour le Red Star, un but donc de Ludovic Sylvestre et d'Abdoulaye et de Idriss Mirsi pardon sur pénalty. Justement la Ben Bachir pour son premier ballon, pardonne-moi de tout couper la première fois qu'on a une frappe. Je préfère être mal poli, comme ça on est sûr de ne pas la rater. Quelle frappe. Oui, bon, elle passe à côté, mais au moins une frappe dans cette seconde période. Ne sois pas médisant comme ça. Quand même. Pour une fois qu'on a une tentative. Bon, je me demande si on va pas se contenter de laisser juste l'ambiance pour cette fin de seconde période. Ah bah, ce serait plus mouvementé que ce qu'on a sur le terrain, en tout cas pour l'instant. Espérons pourquoi pas un réveil des joueurs dans ce dernier quart d'heure. Ouais, ce serait bien. Là c'est vraiment soporifique. Il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'opportunité. C'est pas très juste techniquement, même si on a éventuellement décalage pour Guirolo Niangbo. Un ballon qui est finalement sorti en touche par Haroun Nassi, quoique. Parce que l'entrée quand même de Sander Ben Bachir à l'instant. J'ai l'impression que ça va redynamiser un petit peu l'attaque marseillaise avec Niangbo qui est encore sollicité. Il demande beaucoup plus le ballon dans les espaces, dans la profondeur. Il fait remonter son milieu de terrain alors que Petrilli lui reste en opposition parfaitement devant un défenseur marseillais. L'accélération de Petrilli qui est tout seul dans la moitié de terrain adversaire a tenté le petit pont. La porte se referme surtout intelligemment avec la très bonne défense de Diaranké Fofana après avoir récupéré le cuir devant Ahmed Swali. Allez. Et Fofana qu'on a retrouvé de l'autre côté, le coup franc oui, on va avoir une occasion. Entrée de surface de réparation pile à l'angle. Et est-ce que monsieur Rabid va mettre un carton? Non, c'est sa petite bombe qu'il a sortie. Son spray magique. Alors que Teitema était venu un peu râler, il a été poussé par un joueur de Marseille Consola, ça s'échauffe un petit peu. Peut-être un petit peu d'animation dans ces dernières minutes. Bah ça tombe bien, j'ai jamais commenté de boxe. Foot, volley, athlé, ouais, mais boxe non. Il y a un début à tout. Bah écoute, je suis preneur. Hein. Allez, le coup franc avec Rémi Sergio et Guirolo Niangbo qui sont à côté du ballon. On est au coin de la surface de réparation côté gauche en face du but de Sébastien Reynaud. C'est soit mur, soit immeuble. Hein. Je t'annonce de suite. Si c'est pour Niangbo, ça sera dans la surface de réparation. Mais déjà, il y a un si double mur. Il y a un double mur, un mur de 4 au devant. Il y a deux Marseillais qui sont juste devant. Et ça va nous faire. Ouais, quasi l'immeuble. C'est au-dessus. C'est. Voilà. C'est bien. Bon, c'est enroulé, c'est pas beaucoup au-dessus, mais bon. C'est... Et changement. Pour le Red Star. On va peut-être commenter certains faits divers. Ce serait bien.
C'est d'ailleurs, on va raconter notre vie un instant, puisque notre cher collègue et confrère Eric Mendes, qui ne cesse de nous rappeler, merci de la solo, que le samedi c'est l'ousi. Voilà, d'où la petite anecdote de tout à l'heure, le samedi c'est l'ousi. Notre collègue juste à côté, Jean Leduc, qui est très content d'être aujourd'hui avec nous au Stade Bauer, a vu circuler un fait divers sur un réseau social au petit oiseau. Un fait divers assez incroyable qu'on ne dira pas. Allez sur son compte Twitter, je pense qu'il va le retweeter dans un instant si c'est pas déjà fait. Mais il est drôle, enfin drôle. Faut avoir beaucoup de second degré pour l'apprécier, un petit peu comme ce match. 2-0 pour le Red Star face à Marseille, il reste 10 minutes. Et autre fait un petit peu moins divers, c'est l'entrée d'Emfoulou pour sa première sous le maillot édonien. Oui. Oui, bah ça brasse un petit peu entre Petrilli et Diranke Fofana. Bon. Je te tiens, tu me tiens. Allez, le petit coup d'épaule là, de Ben Bachir dans le dos de Formose Mendy. Est-ce qu'on va avoir un nouveau carton? Non, là ça peut y aller là. Ah, il veut rester dans sa moyenne, monsieur le paysan. Pour Ben Bachir, le jeune joueur de 19 ans. Qui est passé par Côte Bleue, puis par la réserve de Niort avant d'arriver ici à Marseille consolé en début de saison. Il veut prouver. Et pourquoi pas dans un dernier quart d'heure, mais en tout cas s'il y en a un qui veut prouver également, c'est Anthony Petrilli, mais on va signaler une main. Il se l'accompagne un petit peu du bras. Juste un petit peu. Là, par contre, contre-orienté du bras, il était intéressant. Hein. Ah oui. Tout pas mauvais. Bon, sinon, en attendant, on peut rappeler les matchs d'hier, les résultats, les buts. Allez. Ça te va? Je pense que tu les as, en plus. Vous avez les résultats d'hier avec, d'abord, c'était pas hier, c'était jeudi. Le Pau FC qui s'est incliné 4 buts à domicile face au SO Cholet. Avec l'ouverture du score, même un doublé de Papert, mais ouverture du score absolument magnifique. Je sais pas si tu as vu le but, Antoine. J'ai pas eu l'occasion de le voir, non, mais... Bon, de toute façon, au point où on est, je peux te le mettre maintenant. C'est juste magnifique. Tu te souviens forcément, toi, grand connaisseur du... On veut me déconcentrer en plus sur ce direct. Merci, Julien Leduc. Je lirai vos informations plus tard, mon cher ami. L'ouverture du score, donc, toi, tu te sens forcément de ce but incroyable de Zlatan Ibrahimovic contre le Sporting Club de Bastia. La reprise de volée est complètement de haut but. Tu y étais, attention, cette frappe enroulée de Guy Roland Nyangbo qui fuit le cadre alors qu'il était dans une très bonne position dans la surface de réparation aux 10 mètres sur le côté droit. Il peut enrouler sur son bon pied, il enroule complètement au-dessus. Voilà la reprise qui a filé au fond du filet Bastier. Pour te rappeler qu'on dit au fond du filet. Bah la même pour Cholet. De Papsar. La même. Effectivement. Et donc. Et les autres buts sont très bien aussi. Oh tiens, une petite bascule, ça faisait longtemps. Petrilli qui reste au sol avec une superbe envolée de la part d'un Marseillais qui nous met Petrilli au sol. En force d'allonger, bah forcément on est couché et c'est là. Petrilli qui est couché. Bon, ça va, il se relève. On parlait justement d'Ibrahimovic. Non, ça Petrilli. Fait trop là, Ibrahimovic et Petrilli, fais pas un parallèle comme ça en national s'il te plaît, là, je vais avoir mal au crâne. Non mais il a joué avec Zlatan Ibrahimovic, c'est vrai. Avec la réserve parisienne, il a fait la préparation avec les pros. Avant de partir sous d'autres cieux, un petit peu moins brillant. Attention Petrilli qui va peut-être bénéficier d'un second ballon, finalement c'est Merci dans la surface. C'est le poteau qui envoie cette frappe. Ça reviendra avec Teddy Thomas, mais finalement le ballon est capté par Siegfried Aissi-Kelle. Elle aura fallu attendre la 83e minute dans cette seconde période pour enfin avoir un vrai frisson au Denier sur un ballon qui a été renvoyé, mais même pas avec un niveau de U13 par la défense de Marseille Consola, alors que du côté de Lens, on envahit le terrain. Rien que ça. Enfin quelque chose à commenter. Ça c'est fort quand même. Terrain envahi du côté de Lens. Bon, en même temps, quand on s'appelle le Racing Club de Lens et qu'on commence la saison encore pire que Créteil en national, c'est pas étonnant qu'il ait souci. Voilà, là t'as rien à dire. Là, c'est compliqué pour les Lensois, c'est dommage pour ce club quand même historique. Qui est passé à une minute près de la montée la saison dernière. Bah merci à Amiens avec Julien Yelch. Hop, à chaque fois qu'on a Bauer, de toute manière il faut dire que Julien Yelch est passé par là. C'est un rituel.
Chacun ses traditions. Ouais. Allez, le ballon pour le Red Star avec Anthony Petri. Il va s'appuyer sur Grégoire Lefebvre. Elle est ratée cette passe de Lefebvre en une touche de balle. Et Marseille Consola qui va relancer. Belle sortie de balle de Marseille Consola avec Rémi Sergio. Sergio qui va accélérer côté gauche, qui va avancer devant lui, mais c'était assez prévisible. Et superbe intervention de Mathias Ferreira. Encore une fois, très intéressant, hein, Mathias Ferreira. Il commence petit à petit à prendre sa place dans l'équipe audonienne. Alors juste petite parenthèse sur Lens. Il y a donc 3-1 pour Brest. Le match est interrompu avec un énorme cordon de stadiers. Quasiment l'affluence de Duvauchel d'ailleurs qui se met en place devant le COP lensois. Il y a 20 stadiers quoi. Voilà, c'est cadeau. Alors tu nous as sorti une petite anecdote avec Anthony Petri. Permets-moi d'en sortir une aussi. C'était sur l'entente Béziers que vous avez pu suivre grâce à la Fédération Française de Football en intégralité avec un excellent commentateur qui aujourd'hui se régale au Stade Bauer, en tout cas dans les 45 premières minutes. Non, c'est pas moi. C'est pas toi non plus. Enfin, on sait pas qui c'est. Allez, Petrilli va attendre un petit peu la Petrilli pour avoir une occasion puisque on a quelque chose à dire de très intéressant. Et Gervais Martel va prendre la parole. Ne riez pas, monsieur le Duc. Ne riez pas, s'il vous plaît. Pas tout de suite. Qu'on aura rendu l'antenne, on rira ensemble. Et donc, la petite histoire. L'histoire de Juju aujourd'hui. Père Julien vous raconte une histoire. Il y a donc Mickaël Firmin, l'ancien du Paris FC. Alors que Petrilli va aller au pressing sur Aïssi Kédé, là faut être attentif s'il est capable de tout Aïssi Kédé sur ce jeu au pied. Mickaël Firmin, comme tu le sais très bien Antoine, a été formé au TFC. Tout comme Ahmed Sukuna. Jusque là tout le monde est d'accord. Mais action pour Marseille quand même. Avec une frappe de Tambourin qui va être cadrée et captée par Sébastien Reynaud en repiquant depuis l'axe gauche de la surface de réparation. Et donc on joue à Toulouse. Mais savais-tu que les deux ont participé à la dernière campagne européenne du TFC ensemble? Ah non. Ah bah voilà la petite histoire de Juju. Je peux même te dire que Sukuna a été titulaire à une reprise, il a joué 3 matchs alors que Firmin a fait 3 bancs. Ils ont fait leur match en même temps. Sukuna est entré en jeu à 2 reprises, Firmin n'avait pas joué. Et le seul match durant lequel Ahmed Sukuna était titulaire, c'était une victoire face aux Partisans Belgrade. Et les deux ont connu la Donbass Arena avec une défaite 4-0 là-bas, sans prendre part au match. Petite histoire de national. Alors que là on a eu une absolument incroyable, un hors-jeu sifflé sur une remise d'un joueur audonien. Monsieur l'assistant n'avait pas levé son drapeau, c'est monsieur le paysan qui a sifflé la position de hors-jeu. Alors que le dernier changement audonien va arriver dans quelques instants. Dès que le ballon sera sorti avec un beau contrôle du dos de la part de Ben Bachir. Et le ballon dans les pieds audonien. Idriss Mirsi, la remise. Mflou qui a raté son contrôle. Et Marseille Consola qui repart mais sans le ballon. On a dû revenir derrière pour le récupérer. Du côté de Dubois. Et finalement ça récupère Valor et Star avec Aaron Assi, la petite talonnade de Grégoire Lefebvre. Mirsi, on a tenté de jouer dans les petits espaces avec Keitema. Ça reste dans les pieds audonien. Avec Sané. Avec Abdoulaye Sané maintenant. Lefebvre va réussir à contrôler, mettre ce ballon à terre, c'est bien fait ça de la part de Grégoire Lefebvre. Il va pouvoir écarter côté gauche avec Idriss Mirsi au niveau de la surface de réparation côté gauche. Mirsi, il a un joueur face à lui. Dépassement de jambe d'Idriss Mirsi, va revenir vers l'intérieur, la repart vers l'extérieur. A nouveau la fin d'Idriss Mirsi dans la surface de réparation, le centre vers le point de pénalty. Il n'y avait personne du Red Star au point de pénalty, c'est dégagé finalement par les Marseillais. Ouais, c'est bien joué de la part de Sané en puissance pour essayer d'arrêter le Marseillais, sauf que ça prend en compte quand même Tambourin. Avec Ben Bachir sur son côté gauche, Ben Bachir devant Formose Mendy et techniquement. C'est encore un petit peu trop brouillon pour pouvoir amener le danger. Abdoulaye Sané en passant en ligne médiane. Il reste 1 minute 30 à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre en priant pour qu'il n'y ait pas de temps additionnel. Jeu écarté par Foulou sur le côté de la surface de réparation avec Mirsi. Mirsi qui rentre dans cette surface ou presque avant d'avoir un très bon retour de la part de Gabriel Dubois. Idriss Mirsi qui, faute d'enflammer le match avec ses partenaires, demande un petit peu plus de bruit dans ce Stade Bauer. Et il va sortir d'ailleurs Idriss Mirsi. Buteur donc pour la première fois de la saison sur penalty à la 40e minute de jeu. Il sort donc, on est à 89e minute de ce match entre le Red Star et Marseille Consola. On le rappelle, 2-0. 2-0 pour le Red Star. Et il est remplacé
par son coéquipier Mourad Satli, pardon, qui lui aussi a fait sa première apparition dans le groupe odonien. Et donc sa première rentrée à 1 minute du terme de cette rencontre. Déjà 1 minute ? Ça passe vite, hein. Ah, je pense que tout seul, ce serait pas passé aussi vite. Merci d'avoir été là. Je te le dirai jamais assez. Surtout qu'on se retrouve lundi dans Flashback National. Oui. On ne saurait que trop le rappeler. Allez, ballon gratté par Mfoulou au milieu de terrain avec Teddy Thomas sur le côté gauche. Aaron Assi qui s'arrête dans le couloir pour jouer en retrait. Avec donc, tu pourras nous en parler encore un petit peu plus longuement dans notre émission, Satli, qui est revenu avec sa défense centrale, mais avec son gardien Renault, Formos Mendy, en faisant venir Ben Bachir au pressing. Là on arrête les frais en dégageant devant avant d'avoir un coup de sifflet de Benjamin le paysan. Tiens d'ailleurs, petit fumigène dans le bloc odonien, ça faisait longtemps. Bon, ça faisait depuis le deuxième but. Allez, on y est dans le temps additionnel de cette rencontre de, on l'espère, pas beaucoup de minutes au minimum. 20 secondes de passer dans le temps additionnel et une belle fumée qui sort de ce COP avec 3 fumigènes, non, juste 2. Le problème c'est que c'est l'effet du plexi. Non, il y a bien 3 fumigènes. Il y a un gars qui en tient 2. Voilà, il s'amuse avec 2 fumigènes en même temps. Bon, bah, écoute, hein, il a droit. Voilà, il y en a 2 qui sont éteints. Hop, voilà, le troisième est éteint. Bon, en même temps, que dire de plus à part qu'il y a des fumigènes. Il n'y a pas grand chose. Pas grand chose parce que cette seconde période qui est bien en sa continuité, hein, il n'y a pas eu de sursaut. Ah, non, de... Ah, il n'y a pas eu un temps mort. Oh, il n'y a pas eu un temps vivant surtout. Oui, ouais. Plutôt dans ce sens-là. Et pourquoi pas ce ballon pour Anthony Pétrilli, parce qu'il y a eu une mécompréhension un petit peu. On a failli pouvoir enfin s'enflammer. Comme les fumigènes. Parce que c'est Elihi qui a mal géré sa remise en retrait. Anthony Pétrilli qui a essayé de passer. Mais heureusement pour Marseille Consola, il avait gardé l'épaule devant l'attaquant odonien, ce qui a permis à son portier de s'emparer du ballon. Mais on essaie de s'enflammer, mais malheureusement, on n'a pas tellement d'opportunités de le faire. Toujours pas, même si il y a Marseille Consola à l'attaque. Au niveau du poteau corner côté gauche, le ballon qui n'est pas sorti en touche. Pas encore. Toujours pas. Pas encore. Et voilà. Touche pour le raid. Il va vraiment nous essayer du transitionnel par Jean-Marie Paysan. Jusqu'au bout, il va nous faire souffrir. Alors qu'on a eu une touche. Bah, une touche de national. Comparable à celle qu'on a vue en première période, la touche de l'autre côté. Oh. Et le ballon pour Marseille Consola. Avec Nyangbo. Face à Mathias Ferreira, il a tenté de piquer cette balle vers. Versaco. Ça n'est pas passé. Grégoire Lefebvre qui est intervenu. Nouvelle touche avec Marek Amiri. Va revenir en arrière avec Rémi Sergio. Sergio va changer complètement de côté. Va tenter de mettre le ballon dans la surface de réparation. Et Sébastien Reynaud qui va s'imposer dans les airs. Bonne prise de balle de Sébastien Reynaud. Qui va dégager assez rapidement vers Abdoulaye Sané. Au duel avec Rémi Sergio. Abdoulaye Sané qui va laisser passer cette balle. Va finalement pouvoir la contrôler face à Marek Amiri. Et se concéder la touche. Ouais, c'est en dernière possession du ballon là pour le geste Consola Marseille dans cette troisième journée de nationale avec le Red Star qui donc va s'imposer sur le score de 2 buts à 0. Pas énormément mis en danger, excepté dans les tout premiers instants de ce match avant l'ouverture du score de Ludovic Sylvestre. Renault n'a pas eu grand chose à faire et Benjamin Le Paysan va permettre au Stade Bauer d'exulter pour la troisième fois cette saison. Le pont du Loup était satisfaisant tout de même face à Pont. La qualif face à Auxerre était belle. La continuité dans le championnat national. Les d'autant plus. Victoire 2-0 du Red Star face à Consola. Avec début de Sylvestre au 6ème minute. Et Idriss Merci, 40ème sur penalty. Ouais, c'est une première période intéressante de la part du Red Star. On a vu des combinaisons. On a vu les intentions de Régis Brouard se mettre en place. Alors bien sûr, comme tu l'as dit et comme on l'a répété tout le long de ce match au niveau technique, c'était pas toujours ça. C'était pas souvent ça. Pas souvent ça, mais en tout cas une première période vraiment intéressante et une seconde période occupée à gérer tranquillement, très tranquillement, trop tranquillement à notre goût. Mais en tout cas l'essentiel est là, les 3 points sont assurés, 2 buts marqués, aucun but encaissé. L'essentiel c'est les 3 points. Une fois qu'on a dit ça, on peut vous donner rendez-vous lundi. Eh oui, Flashback national. Flashback national, forcément.
Et puis ensuite, ça sera mardi avec la Coupe de la Ligue et le Paris FC qui rencontre Clermont au Stade Charletti. Alors que le jeu va reprendre du côté de Lens. Avec Lens qui est mené 3-1, en menant pourtant 1-0. C'est fort. Ah, le Racing Club de Lens, c'est très fort. Les joueurs qui sortent des vestiaires avec en tête à Fès, Rafik Gérard, tiens, l'ancien cristolien qui est de la partie aussi. Il faut être honnête hein, d'ailleurs, avec le Racing Club de Lens, c'est moins bon, clairement moins bon que l'an dernier. Et les résultats ne plaident pas du tout en faveur des 100 et or sur ce début de saison. Je vous remercie de votre fidélité malgré le retard à l'allumage. C'est le cas de le dire. Ouais, t'inquiète pas, je suis monsieur jeu de mots moi aussi. Retard à l'allumage parce que pas tout le monde était au courant en Red Star qu'on en avait besoin. Et allez. De toute façon, aujourd'hui, tout est gratuit. Voilà, le samedi, c'est l'ouzi. Le samedi, pour nous, à Bauer, c'est aussi gratuit. Comme le penalty. Voilà. Bref, on revient sur cette rencontre lundi dans Flashback National et sur toute la rencontre du championnat. On se retrouve mardi pour la Coupe de la Ligue PFC Clermont. Et le vendredi, il y a la Ligue 2. PFC qui jouera contre, il me semble que c'est Auxerre, qui se déplace à Charletti, mais je ne suis pas certain, faudra confirmer. Non, non, puisque c'est déjà fait Auxerre. Non, c'était le Havre. Ah, t'as peut-être raison. T'as peut-être raison, permets-moi de vérifier de suite. Bien entendu, mais je suis pas absolument certain de ce que j'apprends. De toute manière, tu y es avec Gabriel, ce sera bingo. PFC Auxerre. Et samedi. Le samedi, c'est l'Ouzi. C'est l'Ouzi. Donc, samedi, US Uzi Tados du Richatillon. En National 2, groupe C, en direct sur nos antennes. Match qui laissera sûrement un souvenir un petit peu amer hein, aux suiveurs de US Uzi Tados, parce que c'est lors de ce match que les joueurs de l'Ouzi avaient très probablement manqué la montée la saison dernière. Mais c'est pas grave, Ousmane Kanté a mis un doublé hier. Au plus grand bonheur d'Eric Mendes. Forcément. Et puis après, bon, ça c'est pour notre rendez-vous en août, mais on se retrouvera pour le National au mois de septembre avec une belle soirée le vendredi 1er septembre, le lendemain de l'équipe de France. 1er septembre, beau cadeau avec On Tente les Herbiers. Vous pourrez suivre avec les commentaires de Gabriel Aumont, Red Star et Épinal. Épinal qu'on pensait repêcher. Après c'était Bastia. Mais non, finalement c'est Red Star exemple, donc on sera pas à Bauer. Et un match qui jouera, et là par contre ça va être le feu. Là ça va être le feu, ça va être à Créteil. Ça va être avec toi Antoine. Ça va être avec Daniel Marquez. Créteil-Grenoble. Le retour de Nicolas Belvito à Duvauchel. Ça va être un match très très intéressant à suivre. Attends, on va juste tirer tendre l'oreille pour la célébration dans le COP. Quelque chose quand même hein. Ah, c'est un peu mieux que quand c'est Kukita qui le lance dans le vestiaire. Ah, ça c'est même plus, c'est même plus gratuit là, c'est le forfait là que t'as envoyé là. Vous pouvez retrouver en tout cas cette séquence insolite on va dire dans Flashback Ligue Nationale pardon. Ah, ça c'est jamais bon. Tu l'as fait aussi pendant le match hein. Tu l'as fait aussi. Ah, j'ai eu Flashback Ligue 2, oui. Ah ouais, bah quand il y a une page Ligue 2. T'aurais pu, on reprend, hein, t'as le droit. Hein. En tout cas,
belle ambiance à Bauer. Et le résultat est présent. 2 buts à 0 pour le Red. On se retrouve donc, comme on vous l'a dit, à Charletti. On se retrouve d'abord lundi, après on se retrouve à Charletti. Après vendredi, à Charletti. C'est ça. Petit à petit, on va prendre le rythme. Voilà. Tout comme le Red Star qui, pour l'instant, prend son rythme de croisière. Avec toujours aucune défaite dans ce championnat national. Et une qualif en Coupe de la Ligue. Ils joueront au gaz, par contre. Donc on n'y sera pas. Bon, allez, on va pas rester toute la journée non plus au Stade Bauer. Parce qu'à un moment, le courant va couper. Donc mieux qu'on coupe avant. Bon week-end à toutes et à tous. Rendez-vous donc lundi pour Flashback National. Votre heure de débrief de toute la journée du championnat. Le replay, quasiment le match en intégralité. Malheureusement, on n'a pas pu faire mieux. Il sera dans quelques instants en ligne. Et semaine prochaine, nos directs avec deux matchs du Paris FC. D'abord la Coupe de la Ligue face à Clermont. Et ensuite, Auxerre en championnat. On chaîne. Ciao, ciao. Salut.